Allez, bonjour. Nous voilà ici avec Dylan. On va visiter, en premier instant, on va visiter le château de Blénod-lès-Toul, donc qui correspond, comme vous le voyez, à une grosse bâtisse. On va aller visiter l'intérieur. Voilà. Donc, petite présentation des lieux. Avant de rentrer, on vous le présente de jour pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est sur 3 étages. Il y a du volume, ça va jusqu'à la grille. Là-bas, tu m'as dit c'était quoi les tours? Ouais, C'était les tours des gardes. les tours des gardes, là où vous voyez les 3 fenêtres de jour, là-haut au fond. Chemin de ronde. Chemin de ronde, voilà. Donc là, on va s'avancer, on va rentrer à l'intérieur de la bâtisse et puis on va faire une première visite pour ressentir, pour percevoir les lieux. On a déjà visité, c'était quoi la maison des loges? Voilà, donc première pièce où j'ai senti une bonne appréhension, une certaine angoisse, on va dire une oppression, où il y a une dame qui est apparemment décédée dans son lit. On ira dans cette pièce dans la nuit pour pouvoir vérifier s'il y a moyen de communiquer avec elle. Et puis on va aller saluer les différentes entités qui sont à l'intérieur de cette grande bâtisse. Et puis on verra bien la suite, on va suivre la chronologie. Allez, c'est parti. On est le samedi 2 juillet. Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation au château. Merci. T'es venu ici pour voir un petit peu les ressentis que tu pouvais avoir, si on avait peut-être possibilité de rentrer en contact avec différentes personnes qui auraient peut-être vécu ici ou des personnes de Oui. passage. Alors effectivement, le but, quand tu m'as proposé pour le château, c'est de, en tant que médium, c'est de venir observer éventuellement les manifestations, d'avoir des perceptions ou des ressentis. Dans certaines pièces, au travers des différentes entités qui peuvent résider ici. Alors, bien évidemment, il peut y avoir comme on dit, des résidents, donc des esprits qui ont appartenu, on va dire, à la bâtisse depuis, puisque c'est une bâtisse qui est là depuis 1300 ans, de l'an 1300, pardon. Et voilà, toute la chronologie derrière, il y a eu les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, il y a eu énormément de passages, donc il y avait forcément beaucoup d'esprits qui peuvent être encore ici. On va dire résidents, donc un attachement au lieu ou bloqué, on va dire en fonction de ce qu'ils ont vécu, de fin de drame de vie, hein, avec les guerres, avec une époque en l'an 1300 qui était quand même relativement brutale. On verra bien, il y a tout en haut un ancien tribunal, comme on l'a dit. Donc il y a eu quand même un certain nombre d'exécutions, donc il y a eu quand même beaucoup d'esprits qui sont peut-être encore bloqués, on va dire ici, qui sont tout simplement restés accrochés, on va dire, à cette matière, à ces lieux. On va essayer de communiquer avec eux, on va essayer de connaître leur nature, connaître éventuellement leur histoire, s'ils veulent bien s'exprimer, s'ils veulent bien nous donner des informations. Si on récupère ces informations, on va essayer de corroborer ces informations avec éventuellement des recherches ou le propriétaire qui pourrait nous informer et nous donner donc du crédit dans les communications qu'on va avoir. Le but, c'est effectivement d'observer. C'est d'assister à des manifestations, aussi utiliser ce support, quel support Ouija, que je pratique depuis plus de 4 ans toutes les semaines. Alors voilà, ce support a été diabolisé, mais c'est tout simplement l'ignorance des gens. Ce support, c'est juste une planche en bois. Et ce n'est pas ce qui justifie la nature ou la présence des esprits autour de nous, ce n'est pas ce support. Ce qui justifie la présence d'esprits autour des participants dans une séance, c'est l'intention des participants et c'est aussi leur nature et leur évolution. Donc les esprits sont attirés par affinité de pensée, ce qui fait que sur ce genre de support, nous qui nous communiquons toutes les semaines depuis 4 ans, nous avons eu majoritairement de très belles communications avec des guides, avec même des esprits qu'on dit de lumière. On a eu des esprits souffrants, on a eu des esprits de passage, on a eu des défunts. Donc voilà, ce support n'est pas à diaboliser, hein, c'est pas quelque chose. Parce qu'en général, on le sait, hein, généralement on voit sur YouTube, les personnes qui utilisent ce support par ignorance, c'est souvent des ados. Et on connaît la suite parce qu'ils ne savent pas, ils vont se retrouver face à des entités, ils vont avoir peur, ils risquent d'avoir des problèmes et des complications. Ou alors des gens qui sont des groupes, hein, d'adultes,
qui, en fin de soirée, trouve pas mieux qu'une fois bourré d'utiliser ce support, et Oui, on je connaît vois. aussi la suite, hein. Voilà. Mais il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont structurés, qui sont sérieux en France, qui utilisent ce support et qui obtiennent de véritables communications avec de véritables enseignements et qui ont des communications très intéressantes, très intelligibles. Voilà. Donc le support là, il faut arrêter de le diaboliser. Donc on utilise en général avec ma compagne ce support plus sa clairaudience puisqu'elle entend les esprits. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire donc ce soir. On va essayer de communiquer avec eux. On va observer, on va essayer d'analyser. Dylan a pas mal d'appareils, de technologies qui nous permettra de détecter les entités. Et on va essayer de récolter un maximum d'informations. On va essayer de vous proposer notre nuit dans cette bâtisse, dans ce château. En espérant que les esprits, puisqu'il faut leur parler, nous entendent et qu'ils participent à ces manifestations et qu'ils puissent nous offrir leur présence. Dans la communication avec le support Ouija, on va essayer de rentrer en contact avec eux, on va essayer de communiquer avec eux. De façon à ce qu'ils nous apportent leur histoire, l'histoire des lieux, l'histoire des histoires, des informations pouvant essayer de confirmer leur identité. Voilà, donc ça va être très intéressant. Dylan a l'habitude. Moi, je participe pour une des premières fois dans ce genre de soirée nocturne, on va dire, puisque c'est pas mon habitude, c'est pas mon travail. Je procède différemment. Voilà, Dylan, on a sympathisé. C'est quelqu'un qui est très sympathique et qui, du coup, m'a proposé quelque chose que j'ai pas refusé parce que c'était près de chez moi et que le lieu était riche d'histoire et chargé d'énergie. Et du coup, on va essayer de développer tout ça cette nuit, Avec tranquillement. plaisir. Voilà. Donc, tu m'as demandé aussi si je Ouais. pouvais, parce que je suis également auteur-écrivain de C'est six ça. livres. Donc, j'ai écrit six livres. Les six livres-là, puisque ça reste quand même une certaine prouesse, je les ai écrits en 2 ans. Donc, six livres en 2 ans, c'est quand même pas rien. Sur ces six livres, il y a véritablement cinq livres qui sont liés au spiritisme. D'accord? Je suis spirite et médium depuis 30 ans. Voilà, je vais vous présenter ces deux ouvrages. Voilà, donc ces deux ouvrages. À ma droite, j'ai Les esprits nous parlent, d'accord. Et sur celui-ci, c'est Je suis ignorant, je mourrai conscient. Ces deux livres-là, c'est des livres qui ont été écrits sur à peu près 2 années d'écriture en médiumnité intuitive que je maîtrise. Ces deux livres regroupent à peu près 55 thèmes qui ont été détaillés, qui ont été expliqués par des esprits, par des guides, lors de propositions de sujets sur des sujets relatant du spiritisme, de la morale qui accompagne le spiritisme. Alors, les sujets on peut parler du deuil, on parle du suicide, on parle des réincarnations, on parle des vies antérieures et des réminiscences des vies antérieures, on parle des guides, on parle des enfants et du spiritisme, on parle du trouble, de la médiumnité, de l'au-delà. On parle des maisons hantées, on parle de beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées au contact médiumnique de ces deux livres. Celui-ci fait partie, ces deux livres-là, qui sont en fait, c'est De l'ombre à la lumière, tout simplement parce que le titre est évocateur. Ces deux livres-là, De l'ombre à la lumière, sont le produit de notre travail avec ma compagne dans les séances d'aide aux esprits souffrants. Majoritairement, c'est nos guides qui nous ramènent des esprits qui sont souffrants, comme on dit, puisqu'ils ne sont pas une condition qui est favorable. Et ces esprits, bien souvent, arrivent sans être conscients qu'ils sont décédés. Donc il va falloir établir un contact avec eux, leur apprendre de façon subjective, des images subjectives, de façon à leur faire comprendre qu'ils sont décédés. Alors comme j'explique souvent, quand on a une petite fille de 6 ans qui arrive en séance et qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, il va falloir expliquer avec beaucoup de finesse et de psychologie à cette petite fille qu'elle est morte. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir lui faire parvenir des images, lui faire parvenir des pensées qui peuvent être subjectives, mais que l'esprit va comprendre. Et à un certain moment, cet esprit, en sachant qu'il a compris, je vais lui proposer soit de dire les choses, ou soit je lui propose de le dire si c'est trop difficile pour lui d'énoncer le mot mort. À partir du moment-là, on va commencer à rentrer en discussion avec. On va éveiller sa conscience, on va apprendre à connaître son histoire et surtout ce qui l'a conduit à cette fin de vie dramatique. Et bien souvent, on est devant l'atrocité de l'être humain, puisque bien souvent, les fins de vie de ces esprits sont liées
à l'infériorité, à l'évolution inférieure de notre monde. Et c'est souvent des fins de vie dramatiques qui sont à la base, on va dire, de ces esprits souffrants. Une fois que nous avons réussi à ouvrir la conscience de cet esprit et à lui avoir fait comprendre qu'il était décédé, à lui avoir permis aussi de se remémorer les instants et aussi les raisons qui l'ont conduit à son décès, on va lui proposer, avec son libre arbitre, de bien vouloir rejoindre son au-delà, son guide et les personnes qui l'ont, on va dire, devancé. Alors, lorsque les choses sont claires pour tout le monde, je propose souvent que cet esprit soit accompagné de ma compagne, puisque j'ai expliqué à ma chère et tendre comment sortir de son corps tout en étant conscient. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire ou essayer de faire sans avoir les connaissances ni l'expérience pour pouvoir le faire, car ça peut être très dangereux. Mais les choses sont sécurisées, nous sommes toujours en séance avec une protection de nos guides et dans un cadre structuré et très sérieux. Donc ma chère et tendre peut sortir de son corps, accompagner l'esprit devant ce qu'on appelle ce grand faisceau de lumière, et pour passer dans son au-delà. Et bien évidemment, alors voilà, on peut vous donner une représentation de ce qui arrive quand on est devant ce faisceau de lumière. Et très souvent, soit il y a des défunts qui viennent les chercher ou leurs guides. Et à cet instant précis, ma chérie peut vraiment avoir une description vraiment très, 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 très précise de l'esprit devant lui et le détailler véritablement jusqu'à des signes particuliers. Voilà. Bien souvent, ces esprits reviennent nous voir plusieurs minutes après. L'énergie sur le support Ouija n'est absolument plus le même. L'énergie est beaucoup plus forte. Et la lucidité est revenue à un état de conscience d'un esprit libre et libéré. Voilà, ça c'est notre travail. Nous recevons également des participants de temps à autre pour pouvoir avoir des contacts défunts ou des contacts avec leur guide. Et voilà, c'est souvent très instructif et très intéressant pour tout le monde. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau des livres et de notre travail. Donc voilà, ici ce soir on va faire ton enquête. On va faire un travail de cohésion entre nous deux. Je vais partager mes connaissances et mes expériences avec ce support. Et tu vas me promener dans ce château. C'est ça. Et on va essayer de capter des manifestations, essayer de ressentir et de percevoir les choses. Essayer de les expliquer. Et essayer aussi de les expliquer, bien évidemment. Il faut surtout pas ne pas tomber dans le côté facile. C'est-à-dire que quand il y a des manifestations, il faut quand même savoir qu'il faut commencer à chercher le côté matériel et physique des choses. Si vous faites l'inverse, vous allez vous tromper. Vous cherchez le côté pratique, cherchez le côté matériel et physique des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer avec la matière. Si vous n'arrivez pas à pouvoir expliquer par la matière ou par un phénomène physique les choses, vous commencez, on va dire, à vous pencher sur un phénomène d'ordre spirituel et vous pouvez commencer à vous dire qu'il y a eu une manifestation. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre et voilà. Donc, écoute Dylan, je pense qu'on en a tout dit pour la présentation. Et puis, on va commencer tout doucement. Ouais. Ça te va ? Ouais. Oui, dans la nuit, ça va se calmer. Quand ils seront rentrés, ils seront au lit. Oui, ça aurait fait tous les gosses devant. Ouais. Ouais. Bah, pareil, ici, c'est... Je trouve que l'endroit, pour l'instant, est un peu chargé. Bah là, on est vraiment dans un petit pile du faux des enchâtements, du fantôme de Liam. D'accord. Bon, de toute façon, là, on poursuit la visite de jour, on va dire. Comme ça, les gens, ils auront une représentation. C'est quoi ? C'est comme une trace de pas avec des clous, tu vois. Ouais. Ils auront une représentation vraiment. Avant la nuit.
D'accord. Ok. Allez, continue. Poursuit la visite de jour. Ouais. Avoir que les gens aient une idée de ce qu'on visitera dans la nuit. On leur rappellera les pièces à ce moment-là. Bon, je précise quand même que le château est en rénovation. Donc si vous voyez des choses qui sont de notre époque, c'est tout à fait normal. Mais la bâtisse en elle-même est véritablement de 1300 ans. Ah, c'est marrant ça, ce petit truc là. Tu te demandes à quoi ça peut servir avec une porte. Tu débarras dans le temps. Et puis tu vois l'arrondi comme ça, ouais. C'est un escalier qui est derrière. Ah d'accord, ok, nickel. C'est un espèce de passage secret. Ok, on va aller voir ça. Ok. Là on voit bien, même au sol, ça ressemble à des cuisines, c'est un endroit. Ok. Oui. La salle de bain où tu te trouves, en fait, c'est les toilettes sont en dessous, en gros. De là où ça s'allume tout seul ? Ouais. D'accord, génial. Tu vois, c'est plus grand, donc c'est vrai que ça pouvait être autre chose. Ouais, oui, bah ça a dû être. Il y a eu des rénovations, des restructurations, donc c'est tout à fait normal. Mais ça n'empêche pas que malgré. Et souvent, hein, comme on dit, hein, c'est les rénovations, ça réveille les entités en place. C'est vrai que généralement, ils n'aiment pas trop qu'on touche à l'histoire du château, parce que ça bouge l'histoire, et du coup, ça les perturbe. Ça perturbe l'endroit où ils étaient, tout ce qu'ils ont connu, quoi, en fait. D'accord. Ouais, tu vas faire gaffe, il y a des trous. T'as vu ? Ouais. Est-ce que c'est solide aussi quand tu passes là, ouais ? Ouais, c'est solide. Et fais attention, oui, il y a des trous. Oh, ok, faire très gaffe. Donc c'est là que plusieurs personnes, quand ils vivaient ici, auraient entendu le fantôme de William dans le grenier. Dans le grenier, le fantôme de William. Il aurait marché. D'accord. Et ici, si on marche, on risque pas de passer à travers ? Le côté là, c'est dangereux. Ouais, on va pas y aller. Parce que je sens qu'en dessous, c'est un peu. Mais c'est un peu léger au niveau de la planche. Et ici, tu vois, quand tu marches vraiment là. Vraiment passer, ouais, sur le milieu, quoi. Ouais, d'accord. Ça, ici. Ouais, bon, attends, on va faire attention. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est des poutres, de toute façon. Hein ? C'est des poutres. Ouais, c'est des poutres, mais ouais. Le problème, c'est que. Quand tu poses des planches entre chaque poutre, ouais. Si la planche elle est devenue poreuse et qu'elle tient pas, ça va passer à travers, quoi. Ouais. Donc non, mais c'est bien. On va continuer là-dessus. Alors souvent, bien évidemment, vaut mieux marcher comme tu dis au milieu parce que c'est, elles sont basses. Hein. Moi, je suis pas grand, mais les poutres elles sont à ma hauteur, quoi. C'est des grosses poutres. Vaut mieux marcher au milieu parce qu'au milieu, bah, t'as la jonction entre les deux. Et puis... Je pense que les poutres c'est d'époque. Ah oui, ça c'est l'époque, ça. Ah oui, ça c'est des choses. Quand tu vois la structure et puis que quand même elles ont été attaquées, hein, tu les vois qu'elles sont, elles sont pas récentes. Ouais, c'est d'époque, ça. Ça c'est bien, ça. Ah mais ouais, c'est allumé par là-bas, ouais. Mais ouais, mais j'aime l'odeur, hein, c'est génial, hein. C'est vraiment génial. Ah ouais, mais t'as vu là le truc, il est de travers. Hein. Il a dû avoir un problème. Hein. Ah ouais? Bah oui, je pense pas qu'il l'ait construit comme ça, regarde. À côté, ça c'est un conduit de cheminée. Ouais. Alors peut-être que. Mais ça me paraît bizarre, quoi. Peut-être, hein, peut-être. Ah mais c'est ma. Ouais, si, sûrement, mais il devrait être droit, quoi. Ouais. Comme l'autre, hein. Mais bon.
Ok, allez, vas-y. Ouais, j'ai vu qu'elle était. Tu vois que ça s'enfonce bien. Ouais, ah ouais, j'irai pas au milieu là. Il y a des trous et c'est vraiment enfoncé. Tu vois, ici, il faut vraiment être prudent au niveau de la sécurité. Ce que le mec il m'avait montré. Ouais. L'impression, après, ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est. Le problème, c'est que ce genre de choses, si tu veux, tu peux pas te donner de crédit comme ouais, ça, sur un, ça sur un visuel. Hein. Il faut. Ou alors, faut y avoir et assister. Ou alors faut y assister, ou alors il faut être passé avant, filmer la porte, et puis que tu repasses après, qu'on soit tout seul, voilà. Et puis qu'il y ait ça, quoi. C'est ça. Donc on peut pas te donner de, crédit. Ouais, ouais. Vas-y. Là, tu vois, il y a tous les livres, parce que c'était une école aussi, il y a un moment. Oh, il y a des livres. Je me sens chez moi, c'est génial. Dans les années début 2000. Vas-y. Alors, je te laisse prendre devant, que je puisse te suivre. Voilà, que je puisse... Aussi, parce que là, ouais. Bon, là on peut monter, il était monté dans la toile. Oui, oui. J'espère que d'avancer plus loin. Et on va monter, on va rester, mais on va pas aller. Toi par exemple, on va pas aller là-haut parce que. Là-haut à gauche, même à gauche, on va pas y aller. Oui, hein, non, parce non, que là, c'est trop. Ils sont en rénovation, donc on va pas prendre le risque de se casser la gueule. Hein. C'est risqué quand même. Et là, si je me rappelle bien, je crois que c'était le pigeonnier, mais je vois pas. Pour moi, c'est pas un pigeonnier. Là, c'est possible. Ces ouvertures-là. Ouais, t'as vu, t'as des trous quand même qui sont. Bien, ouais. Faut pas faire le con ici, quoi. Il y a vraiment des pièces, il va falloir faire attention quand on va. Surtout la nuit, ouais. Ouais. Vas-y, je te laisse passer devant. Oui, bah, de toute façon. Tu vois comment le. De nuit. Celui-là, il a bougé à mort, tu vois. Ouais, je vois. De nuit, en fait, si tu veux, il va vraiment falloir, par exemple, se mettre dans une pièce en particulier. Ah, ouais, ça descend. L'escalier-là, il est assez surprenant. Alors, attends. Éclairons un petit peu, pour ne pas casser la gueule. Ouais, en fait, c'est en colimaçon. Et en fait, on redescend là où tu m'as dit, au niveau de la porte. C'est la petite porte. Et puis là, on va vers le tribunal. D'accord. Il y avait un tribunal ici ? Ouais, c'était le tribunal où les gens. Ah, tu m'avais dit qu'ils étaient exécutés directement sur place. Ouais. Ok. Dans quelle pièce, ça m'étonnerait qu'ils soient exécutés dans le tribunal direct. Oui, mais il devait y avoir une pièce où ils les exécutaient. Ouais. Parce qu'à mon avis, s'ils venaient dans le tribunal, ils ressortaient pas, quoi. C'est ça. Et, c'est ce que je et cette pièce-là, elle est où ? Elle est juste là. Ah là, c'est on est sur le voilà, on voilà. Est sur ce qu'on a filmé tout à l'heure là, ah, la petite angle, en petit angle. D'accord, c'est pas mal. On est face à l'église. Ça s'appelle l'arc. D'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui était venu faire une enquête. Ouais. En fait, pendant qu'il filmait, il y aurait eu la bâche qui aurait été comme ça. D'accord. Oui, bah tout est possible. Hein. Après, comme on dit, hein, avec les esprits, tout est possible. Et là voilà, c'était l'ancien tribunal. Donc ça a été rénové, ça ressemble plus à un tribunal. Mais en plus, oui, ça a l'air solide ici, hein. On veut marcher. Ouais. Ici, ça faisait partie aussi de l'ancien tribunal ? C'est ça, en fait, là il n'y avait pas de mur. On m'avait raconté, il n'y avait pas de mur, c'était un grand. Une grande pièce. C'est ça. Et qu'ils ont coupé, qu'ils ont fait les pièces en deux, quoi. D'accord. Oui, on va aller voir l'autre côté. Après, j'ai du mal à me projeter dans un tribunal. Je sais pas si tu vois. Après, ça a été rénové. Bah, si, c'est possible. Après, tu sais, toutes ces choses qu'on voit, c'est toutes des choses qui font quand même partie du passé. Mais il y a des choses qui sont. Il y a 3 semaines, c'était pas pété, ils ont mis un son. Ouais, voilà. Il y a de la rénovation, donc c'est normal. Mais c'est voilà, il y a des choses. Bon, c'est logique. Hein, ils sont en train de rénover. Il y a des choses qui sont liées à notre époque. Mais puis à d'autres époques aussi. Mais si le mur est cassé, après je trouve bizarre parce que ça c'est quand même une, à mon avis, ça, même si c'est pas de 1300 ans, ça doit dater quand même. Hein. Mm. Parce que après ouais, c'était vraiment des années 1300. Ouais, ouais, voilà. C'était vraiment au début. Les années 1300 parce que là, si tu veux, ça c'est à mon avis, c'est ce genre de meuble, c'est pas un meuble qui date de l'année 2000 quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a vraiment. Une longue histoire dans cette bâtisse, dans ce château. Parce que pour pouvoir avoir différents comme ça, meubles, différentes structures, avoir reposé à un moment donné des murs pour pouvoir couper. Si on coupe ce mur, on va se retrouver de l'autre côté où on était et ça fait une toute grande pièce. Et donc ça, c'était le tribunal en l'an 1300 quand ils l'ont créé. Quoi. C'est ça, oui. Et donc, je pense que soit ils avaient à l'époque... Où ils les exécutaient peut-être devant, il y avait peut-être des potences, tu vois, ouais. Qu'ils exécutaient directement par pendaison, hein, c'est possible aussi. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que en l'an 1300,
Quand en l'an 1300, une fois que le jugement avait été rendu, ils prenaient pas dedans, ils exécutaient sur place, c'était terminé, puis au revoir. Hein. Je pense, tu vois, devant, il y avait peut-être pas les grilles, c'était peut-être du terrain un peu meuble comme ça, de la terre. Ils avaient peut-être 4, 5, 6 potences et puis ils pendaient direct, c'était fini. Quoi. Si c'était un champ. C'était peut-être un champ devant. Ouais. Il y avait peut-être pas. Est-ce que l'église fait partie de l'année 1300? Non, l'église c'est 1500, je crois. 1400. Voilà. Donc ouais. 200, 300 ans après. Alors qu'est-ce qui se dit qui est devant à la place de l'église? C'était pas un grand terrain avec un grand champ ou d'autres habitations, tu vois? Donc voilà, c'est. À mon avis, on peut se projeter, quoi. Il y a pas mal de choses. Bon, on va recouper. Ok, donc bon là on commence, il est 20h40, on va descendre dans les caves du château et ne sachant pas comment ça va se comporter, comment ça va se réagir au niveau des esprits qui sont en bas, on va commencer à filmer, éventuellement je ne dirai rien, hein, je vais juste essayer de t'entendre quelque chose, éventuellement, c'est assez abrupt, éventuellement de les laisser se manifester, hein. Ils peuvent, ouais c'est génial. Ils peuvent vraiment s'approcher physiquement. Ils peuvent me toucher. On n'est pas là pour vous embêter. On n'est pas là pour vous manquer de respect. On est là pour connaître les identités des esprits présents dans cet endroit. D'accord ? On veut connaître la nature des esprits présents dans cet endroit. On veut savoir éventuellement si elles peuvent nous donner des informations sur elles. Leur nom, leur prénom, leur histoire, histoire de savoir à qui on a affaire. On peut vous aider si vous avez besoin d'aide, d'accord? Il est possible de pouvoir avoir de l'aide, il est possible de pouvoir partir d'ici si vous désirez. Si vous désirez rester ici, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez. Et voilà, on essaiera quand même de communiquer avec vous pour essayer de vous connaître, essayer que les gens sachent que vous êtes ici, comme ça vous sortirez un petit peu de l'ombre. Et tout à l'heure, on reviendra. Et on essaiera de communiquer ici avec vous, d'accord? N'hésitez pas, manifestez-vous, d'accord? Physiquement, si vous voulez bouger quelque chose, si vous voulez faire une apparition, ça veut dire qu'il va falloir que vous matérialisez les fluides ambiants pour pouvoir avoir une apparence physique. Vos pensées, vous pouvez aussi les matérialiser de façon à ce que nous, physiquement, on vous entende à l'oreille, d'accord? Vous pouvez parler, d'accord? Et vous pouvez jouer avec la lumière, vous pouvez lancer des cailloux, vous pouvez parler, vous pouvez me toucher physiquement, je ne vous dirai rien. Ok ? On poursuit, mais on va revenir dans la nuit. Hein. Ça, c'est les caves, mais avant, en fait, si tu veux, c'était. Il y a quoi dans ces endroits ? Ouais, parce que c'est des caves, mais c'est. Parce qu'il paraît, il y aurait des anciens souterrains qui mèneraient à la colline tout en haut de Blénol. C'est parce que ça, à mon avis, ça a été rebouché. Et bah, ça serait l'ancienne tombe, c'est pareil. Une tombe ? Ouais. D'accord, une tombe de qui alors ? C'était une personne qui habitait ici dans les années. Qui aurait été enterrée ici ? Ouais. D'accord. Mais ici, c'était des caves, ils entreposaient quoi au niveau des caves, tu sais ? Du vin. Oui, c'est vu les voûtes, vu comment c'est voûté, oui, je pense que c'est voûté. Donc à mon avis, oui, puis à l'époque, il devait des tonneaux de vin, des choses comme ça, quoi. Ouais, il devait y avoir des gros tonneaux en bois. Et puis, pendant la guerre aussi, la Seconde Guerre mondiale, il y aurait eu les Allemands qui auraient mis le feu à une partie dans le monde. Oui, parce que les endroits comme ça, tu sais, les Allemands, ils venaient souvent ils aimaient bien. Ouais. Ok, on aura peut-être des gens de la date de la création du château. On en aura certainement d'autres ont fait partie de l'histoire, hein, au niveau de la chronologie. Donc, certainement qu'il y a beaucoup de monde, certainement qu'il y a beaucoup de passages. Et il y a certainement des esprits de passage, mais il y a certainement... on va laisser un peu dans le noir, si tu veux. Ouais, ouais. Et il y a certainement beaucoup de... d'esprits qui sont encore résidents. Hein. Je vais mettre le flash. Un petit peu. Merde, je peux pas filmer. Ouais. Mets du flash un petit peu. C'est juste que je me casse pas la gueule. Voilà.
Regarde, on dirait sur la photo, sur la, mon truc, on dirait qu'il y a trois personnes. Regarde. Ah oui. Ah, c'est ouf. Ça fait bizarre, hein. Ouais. On dirait qu'il y a trois personnes. Regarde, toi à droite. Ouais. Moi là, à gauche. Et au milieu. Et au milieu, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un. Regarde. On dirait même deux têtes. Ah, c'est peut-être nous. Ah, c'est nous. Mais vaut mieux vérifier. Ouais. Voilà. Tu es clair, ouais, un petit peu. Voilà, juste ça, c'est juste que je puisse voir où je vais. Ouais, vas-y, vas-y. Pour ça, il y a des trous. Ok. Nickel. On va aller plus loin. Tu vois ici, pour eux, il y avait une porte qui menait au souterrain, mais là, il n'y a plus de... C'était bouché, je sais pas comment. Ouais, bah là tu vois l'arc de cercle en fait. Ouais. Regarde, t'as vu? Tu vois l'arc de cercle? Ouais, ouais, c'était, oui, ça se voit, c'était une ancienne porte. Ça se voit que c'était rebouché. On a l'impression qu'on a un petit chemin. Ouais, ouais, tout à fait. Au sol, ouais, effectivement, c'est, s'il y a des pierres comme ça, là, à mon avis, c'est que ça continuait à faire. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir, tu vois. C'est... Et c'est, censément, c'est censé mener à quoi, ça? On sait pas. Il y aurait une légende ou ça mènerait à une colline sacrée. En haut du village. Ok. Avec une ancienne chapelle. D'accord. Ok. On va attendre. On va rester un petit peu ici. On va pas faire trop de bruit parce que comme ça, je peux filmer là-bas s'il y a du passage. Et on va essayer d'écouter. Si vous voulez parler, comme j'ai dit, si vous voulez vous manifester, faites-le. Je vais me taire pendant 5 minutes et on va essayer de voir si on peut vous entendre ou vous voir. Comme un petit bruit de musique, tic, comme une note de piano. Ça fait penser à la vidéo que tu m'as envoyée. On va essayer de voir éventuellement de trouver une raison valable, sinon il va falloir trouver l'endroit où ça va. Parce que j'ai entendu, ça fait deux fois. Les choses, mais moi ça m'est déjà arrivé en fait de parler comme tu fais là, ouais. Et puis des fois de m'asseoir pendant 1 heure, 2 heures. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Bon, après, faut pas attendre. Sont pas patients, après, il faut pas attendre 2 heures, mais déjà quand tu restes 20 minutes, 1 demi-heure dans une pièce, c'est déjà pas mal. Parce qu'après, t'as pas forcément de. Après, je te dis, tous les esprits ne savent pas, on va dire, se manifester consciemment, donc ne savent pas concentrer leur fluide pour les matérialiser et apparaître devant nous physiquement, comme on pourrait le voir. Des esprits peuvent se matérialiser, des apparitions, oui, c'est tangible, c'est-à-dire que tu le touches, il est physique comme toi. Et quand tu entends avec ton oreille, donc de façon audible, tu peux entendre les voix ou éventuellement ce que la vidéo que tu m'envoyais quand on entendait la dame. Mais je dis malheureusement, souvent, ces esprits-là, c'est comme dans les maisons hantées ou les endroits hantés, souvent dans ces genres de manifestations, l'esprit n'a même pas conscience qu'il se fait voir ou entendre. Il le fait à son propre insu. C'est parce qu'à ce moment-là, il réunit un certain nombre d'énergie et une certaine volonté pour le faire. Mais quand c'est consciemment, il faut avoir déjà... Il vaut mieux connaître, avoir un certain niveau d'évolution pour le faire consciemment. Voilà, tout bien, on va monter. Encore des choses. De toute façon, ici, tu vois, par exemple, pour essayer de trouver... C'est con qu'il n'y ait pas de... Qu'il n'y ait pas de... Comment ? Qui est pas de table parce qu'ici il va falloir en faire quelque chose, parce qu'ici à mon avis on aurait en faire une séance ici de communication avec le support Ouija, parce qu'ici à mon avis ça peut être intéressant d'avoir quelque chose.
avec le support pour communiquer ici, à mon avis, ça peut être pas mal. Ok, on reviendra tout à l'heure. Merci à vous. Et on a eu l'occasion déjà d'aller dans le grenier. On a entendu quelques petits bruits. Et on est des personnes qui... Comment expliquer? On croit en votre existence. Et notre but aujourd'hui n'est pas de se balader tout simplement dans le château, mais c'est de se balader en essayant de vous rencontrer. On n'est pas venu juste visiter le château, on est venu visiter le château, mais on est aussi venu vous rencontrer. On est là pour aller à votre rencontre, pour assister éventuellement à des manifestations que vous pourriez produire. On est là pour ressentir vos présences. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez nous toucher physiquement, vous pouvez. On est là pour vous entendre. Donc si vous voulez matérialiser vos pensées et qu'on puisse les entendre, entendre vos voix de façon audible, faites-le. Vous pouvez vous manifester dans le cadre d'une apparition en matérialisant les fluides ambiants. Vous pouvez les manipuler et les utiliser pour pouvoir créer des apparitions. On veut communiquer avec vous et on voudrait pouvoir vous identifier, connaître votre histoire, éventuellement vous aider si vous avez besoin d'aide. Donc on est dans le respect, on n'est pas là pour vous importuner, on est là pour éventuellement faire connaissance, comme on dit, et essayer de vous entendre pour que les gens sachent votre existence et qu'on puisse savoir que vous êtes ici, bien présent. C'est le moment pour vous de saisir l'occasion pour vous faire connaître. Donc n'hésitez pas, d'accord ? On a l'habitude de communiquer avec les esprits, je le ferai très régulièrement. Je suis médium, donc vous pouvez utiliser ma médiumnité pour vous approcher de moi. Une ombre ? Bah, je suis en train de filmer donc, dessus, donc s'il y a une ombre, moi je l'ai vu passer. Hein. Tu l'as vu passer à quel niveau ? Là, la porte, après je... Comme ça, en allant vers là ? En fait, ça faisait comme ça. D'accord, c'était une ombre... T'as vu passer quelque chose ? Après, je me demande si c'était pas un jeu de lumière, mais... Non, bah là, il n'y a pas de jeu de lumière. Hein. Là, je suis en fixe, hein, je vois bien que... Bah, si tu passes comme ça, je vois ta main, ouais. En ombre. Mais toi, c'est plutôt... T'as vu passer quelque chose plutôt de côté après, furtif ? J'ai la manche comme ça, donc... Bah écoute, on vérifie. Je vérifierai, hein. De toute façon, je verrai. Parce que là, je suis en train de toute façon, ça filme, donc... Il y a beaucoup de poussière. Je ne sais pas si tu ressens manger du si, dans la bouche. La bouche est plus vite pâteuse, parce que la poussière, elle est perceptible. On va attendre un petit peu, on va laisser sans trop parler. Si vous pouviez fermer la porte, là, que je filme, ça serait très sympa de votre part, franchement. Si vous pouviez fermer la porte... Allez-y. Je sais que vous pouvez le faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose de compliqué pour vous. Et pour nous, ça nous permettra de savoir que vous êtes présent ici, dans cette pièce avec nous. Ce serait gentil. Vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez pousser cette porte et la fermer, s'il vous plaît. Merci. Je sais que vous pouvez le faire. On est là pour prouver votre existence. Les personnes vont voir sur les groupes sur lesquels on est, aujourd'hui on appelle ça des réseaux sociaux, et les personnes pourront vérifier votre capacité à vous manifester, votre capacité à agir sur la matière, car je sais que vous êtes capable d'agir sur la matière. Si vous pouviez fermer cette porte que je suis en train de filmer, ça serait une preuve de votre existence, de la réalité de vos esprits et de votre action sur la matière. Faites-vous aider si vous êtes seul, mais je pense que vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider et fermez cette porte, gentiment. On voudrait la voir se fermer vu qu'il n'y a personne à côté. Si vous pouviez le faire, ce serait gentil de votre part. Je sais que vous pouvez le faire. Concentrez-vous. Je vais vous laisser un petit peu de temps.
Il y a quelqu'un? Je dis un petit bruit vers la gauche. T'en es pareil ou non? Non. Tu crois aller faire un tour là? Ok. Donc ici, Dylan, on est dans la pièce du tribunal de ce château. D'accord. Donc ici, il y a eu beaucoup de jugements qui ont été donnés, rendus au Moyen Âge. Au Moyen Âge, hein, quasiment 1300 ans, en l'an 1300. C'est ça. Donc il y a eu beaucoup de condamnations, peut-être des exécutés directement ou devant par la potence ou par d'autres choses, hein, peut-être qu'ils coupaient la tête ou je ne sais pas, hein, ça devait être très rudimentaire. C'est ça, ouais. On raconte très barbare. Que les gens étaient exécutés sur place. Dans les archives, c'est pas forcément marqué comment, avec quels moyens. Ouais, ouais. Mais, bon, si c'était en l'an 1300, on se doute bien que c'était pas. Plutôt guillotine, je crois. Plutôt chaotique, plutôt barbare. Voilà. Donc on va essayer de, dans cet endroit, de communiquer avec ce support Ouija, comme j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord, et voir si éventuellement il y a des entités qui se trouvent à cet endroit et qui voudraient se manifester pour pouvoir nous faire part de leur état d'esprit, de leurs conditions, éventuellement si elles veulent nous donner des informations sur elles et éventuellement si elles ont besoin d'aide ou s'il y a besoin on va essayer de discuter avec elles si elles veulent se manifester, se communiquer et puis on va voir à qui se présente en premier éventuellement. Et puis voilà. On y va? On y va. Allez. Parfait.
Bonsoir, s'il y a une entité qui veut se communiquer à nous, vous allez utiliser ce support Ouija et utiliser ma médiumnité, vous allez utiliser nos énergies présentes. Et voilà, notre but c'est de communiquer avec vous pour avoir, savoir qui vous êtes, connaître votre histoire, éventuellement savoir votre condition, si vous êtes bien ou pas bien, et éventuellement vous aider si, s'il y a lieu. Donc on va utiliser ce support. Et voilà, donc on se présente, moi c'est Stéphane, là c'est Dylan. Dylan. On va discuter avec vous, si vous voulez bien vous manifester sur ce support ou ailleurs, eh bien écoutez, allez-y, il n'y a aucun problème, on est là pour ça, d'accord? On y va? Ok. Allez, bonsoir à vous. Pas la même énergie. Bonsoir. Enchanté de faire ta connaissance. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et éventuellement si tu as encore dans l'esprit ton ancien nom incarné? Oui, V. O. C. T, VOCT, O, tu veux dire Victor? Tu veux dire Victor? Tu as marqué Voctor là, c'est ça? Ouais, Voctor. Tu as marqué Voctor. Tu t'appelles Voctor? Bon, admettons. D'accord. Peut-être un ancien prénom. Hein. Peut-être. Dérivé de Victor. Oui. D'accord. Tu es ici depuis longtemps dans cette bâtisse? Oui. Est-ce que tu sais que tu es un esprit aujourd'hui? D'accord. La dernière fois que tu t'es désincarné, puisque tu étais... est-ce que tu étais déjà... est-ce que tu as vécu dans cet endroit? D'accord. Quand tu es décédé, quand tu t'es désincarné, c'était quelle période, quelle année à peu près qu'on puisse te situer chronologiquement? Oui. 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 1400, à peu près? C'était 1400? D'accord. Depuis 1400 ans, depuis l'an 1400, on est en 2022. Donc ça fait un peu plus de 600 ans, 622 ans exactement. Tu ne t'es jamais réincarné? D'accord. Depuis l'an 1400, là où tu étais désincarné, tu es toujours resté ici? Ça fait quand même plus de 600 ans que tu es ici. Est-ce que tu sais qu'il existe... ce qu'on appelle un au-delà, c'est-à-dire un autre endroit que sur la Terre. Ouais. Est-ce que tu sais qu'il existe de l'autre côté un au-delà où il y a une lumière à l'équivalence de ton évolution sur des endroits qui te sont propres en fonction, comme je l'ai dit, de ton évolution? Est-ce que tu... est-ce que tu as déjà été
dans l'au-delà, de l'autre côté, rejoindre d'autres esprits qui vivent dans des conditions peut-être meilleures que dans cet endroit. C'est un oui ou c'est ça veut dire quoi? Oui, tu y es déjà allé? Tu as déjà rencontré tes guides? D'accord. Pourquoi tu reviens ici alors? Oui. 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 Ouais, continue. Oui. Oui. Continue. Tu as marqué femme. Ensuite, tu voulais dire quoi? Après le mot femme. Je t'ai demandé pourquoi tu revenais dans cette bâtisse. Tu m'as marqué femme. Tu reviens ici pourquoi? Pourquoi avoir marqué le mot femme? Continue. 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 T'inquiète, continue. Continue. Je viens marquer femme, M. Y. Tu as marqué femme, M. Et après, ça ne voulait pas dire grand-chose. Femme, M. Ensuite, s'il te plaît, Voktor. Femme, M. Aime quoi? Femme aime, mais... Femme aime quoi? Aime, mais... Maison? V.
Femme M, maison, Dave. Femme aime maison d'avenir. Ça c'est dehors, mais j'ai cru entendre comment. Femme aime maison d'avenir. Tu t'appelles Victor, tu étais un homme ou une femme? Un homme. Ça veut dire quoi pour toi dans tes pensées? Femme aime maison d'avenir, c'est ça? Ça veut dire quoi pour toi dans ta perception? Dans tes idées, dans tes pensées? Ouais. Ouais. Oui. Ma femme? Ouais. Ma femme a... Ok. Ok. Oui. Ok. Ma femme aime, c'est ça, il dit. Ma femme aime. Ta femme, elle aime quoi? Oui. Oui. Elle aime le château? Donc ta femme est toujours ici? D'accord. Toi, tu restes tout le temps ici ou tu rejoins ton au-delà de temps en temps? Oui. Essaye d'accentuer tes énergies, s'il te plaît. Concentre-toi sur nous pour qu'on puisse, que ce soit plus fluide au niveau de la communication. Au niveau de ce support, s'il te plaît. Femme, donc tu as dit que ta femme aimait le château. Et toi, je t'ai demandé si tu revenais, si tu restais tout le temps ici ou si tu repartais de temps à autre dans l'au-delà, dans d'autres endroits, pour évoluer, pour continuer d'évoluer au niveau de ta condition. Tu reviens donc, ta femme, si j'ai bien compris, est toujours ici. D'accord. Donc, quand tu as quitté cet endroit, ta femme a dû rester ici. Apparemment, ce que je comprends, parce qu'elle aime le château, tu vois, elle est attachée à la matière, c'est incroyable. Et du coup, toi qui peux rejoindre ton au-delà, tu viens la revoir, je suppose, de temps en temps. Tu reviens la revoir, est-ce que tu essayes de lui faire comprendre qu'il faille quitter cet endroit, parce qu'elle ne pourra pas continuer d'évoluer, elle ne va pas pouvoir... aller dans son au-delà, comme tu l'as fait, rencontrer ses guides, même des personnes, des esprits qu'elle a connus dans des vies antérieures et qui seraient très contents de la rencontrer. Elle n'a pas été dans l'au-delà, donc elle n'a pas vu la lumière, elle n'a pas vu l'amour de Dieu. Et voilà, qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à elle? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu veux plus parler? Tu mets fin à la communication, Victor? D'accord. Pourquoi? Il y a quelque chose? Il y a quoi, Victor? Pourquoi tu mets fin à la communication? Il y a quoi qui te dérange ici? T'es gêné? Par qui? Par quoi? Dis-moi. C'est quoi? C'est pas les caméras. Les caméras, non? T'es gêné par quoi? Par les caméras, là? Je pensais à ça. C'est par ça? Non. Non. T'es gêné par quoi, Victor? Dis-moi, qu'est-ce qui te gêne?
qu'on puisse éventuellement résoudre le problème et qu'on puisse te permettre de te communiquer à nous. C'est quoi qui te gêne, dis-moi? Qui ou quoi te gêne? Ouais. Ouais. Femme? Il y a une femme qui te gêne? Ou ta femme? Femme? Tout levé? Non. Vas-y. Femme? Ah. Excuse-nous. Ok, vas-y, reprends, Victor. Femme, A. Non, vas-y, reprends. Tu as dit femme, ensuite. Qu'est-ce qui te gêne? P. A. Tu as marqué PA. A. P. PAP. PAPE. PAP. O. U. I. Tu as mis femme, pape, lui. Alors les mots, on les connaît, mais dans la phrase, pas nous, ça ne nous devait rien dire. Femme, tu nous as dit. Tu nous as dit qu'il y avait quelqu'un, enfin apparemment c'est quelqu'un qui te gêne. Hein? Apparemment c'est une femme. Ok. Et cette femme, est-ce que cette femme qui te gêne là, est-ce que c'est ta femme? Entendu? Ça venait derrière? Ça venait derrière nous? D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ici, Victor? Oui. Est-ce qu'on nous suit? Dans nos déplacements dans le château. Non. On ne nous suit pas? Pourquoi on ne nous suit pas? On a proposé tout à l'heure aux esprits qui étaient présents de se communiquer à nous. Pourquoi on ne nous suit pas? On voudrait les rencontrer comme on rencontre toi. D. Vas-y. U. R. S. E. Durse. Durse. Il y a un truc que je voudrais comprendre, Victor. On vous laisse, on va dire, on va laisser aux esprits qui sont présents quand même toute l'opportunité de nous approcher, parce qu'on se retrouve quand même dans une certaine pénombre. Donc on leur a accordé l'autorisation de nous approcher, de nous toucher, même physiquement, ou de me parler, vu que je suis médium et je rentre en contact, je suis intermédiaire avec les esprits. Il faut utiliser nos énergies, il faut utiliser mes fluides, nos fluides. Pour se communiquer à nous, il faut véritablement, puisque, voilà, on se demande, tout à l'heure, on a eu une communication avec quelqu'un en bas, voilà, c'était pas très, très fluide, c'était pas très net. Pourquoi il n'y a pas d'exclamation? Parce qu'il n'y a plus de place samedi. D'accord. Ouais. Et du coup, on n'arrive pas trop à communiquer, on va dire, avec des esprits, puisque quand on propose, apparemment, ça a l'air d'être compliqué pour vous de vous communiquer. Moi, j'ai l'habitude de communiquer avec des esprits tout le temps, avec ma femme. Et c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide,
La discussion, on a une vraie discussion, un vrai échange. On comprend très bien les mots qui sont marqués. Tout est clair, tout est fluide. Et là, j'ai l'impression que ça vous pose un problème. Hein, plus ou moins à tous, ça vous pose un problème de vous communiquer. Du coup, je comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à maîtriser, on va dire, votre énergie et votre concentration pour pouvoir utiliser ce support qui, avec les lettres, les chiffres, vous permettent de rentrer en contact avec nous. Tu comprends ce que je veux dire, Victor? Oui, tu comprends bien. Pourquoi c'est pas plus fluide pour communiquer avec nous? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une meilleure fluidité dans la discussion? Ouais. Ouais, j'ai compris que c'était dur. Mais c'est quoi qui est dur? C'est quoi qui vous gêne pour qu'on puisse changer ça? Oui. Non. Ok, vas-y. Qu'est-ce que c'est qui est dur pour vous, pour communiquer avec nous, là? F. E. Ok. Il y a une femme qui pose problème ici. Mmh. Il y a une femme qui pose problème dans le château? D'accord, c'est très clair. Est-ce que cette femme dans le château en question est un esprit négatif? D'accord. Elle circule dans le château? Est-ce que tous les esprits qui résident, on va dire, ici, et qui ne partent pas de ces lieux pour des attachements, on va dire, au château ou à la matière ou au lieu, sont sous son emprise? Ou est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'elle a une autorité malsaine, malveillante sur eux? Ou est-ce qu'ils sont libres et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent se confronter à elle, s'opposer à elle? Non? Elle s'appelle comment? C'est quoi son prénom à cette femme? Toi, tu ne risques rien. De toute façon, tu es un esprit libre et libéré. Et tu es conscient, tu as rejoint déjà ton au-delà. Tu vas et tu viens. Tu viens certainement, je crois avoir compris que tu venais voir ta femme ici, ouais. Qui est encore attachée au château. Tu n'as pas de raison d'avoir peur de vis-à-vis d'elle. Est-ce que tu es un bon esprit? D'accord. Ok. Est-ce que ton évolution te permet d'entrevoir ou d'accéder à d'autres sphères spirituelles plus évoluées que la Terre, ou est-ce que tu as une évolution, on va dire, à l'égal de notre monde? Vas-y, vas-y. Tu dis non ou tu me montres moi? Là, les boussoles. Non, c'est pas ça. Là, tu nous montres tous les deux? Pourquoi tu nous montres tous les deux? Tu veux nous dire quoi tous les deux, s'il te plaît? B. E. A. Ça, c'est un 4. Hein. Tu nous as mis BEA, ça fait BA4. Hein. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose, BA4, Victor. 4 quoi? Allez, vas-y. 2. B. E. A. U. BEAU. Deux beaux. Je suppose que si tu m'as montré avec la goutte et ensuite Dylan, tu mets deux beaux quoi, Octor?
R O G E Roge, ça veut dire quoi de beau roge? Roge, ça veut dire quoi? A. G. O. F. AGOF. AGOF, ça ne veut rien dire. Cette femme dont tu parles, qui est malveillante et qui tourne dans le château, elle se situe où en général? Elle est là? Donc cette femme serait censée être là, c'est ça? Alors si cette femme est là, qu'elle est malveillante comme tu dis, pourquoi elle n'essaye pas de t'empêcher de parler? Pourquoi elle n'essaye pas de se manifester? Puisqu'on est, on va dire, presque à sa portée, hein, puisqu'on est quand même dans la pénombre, on est là tous les deux. Pourquoi elle n'essaye pas de nous atteindre? D. D. Ensuite, O. R. T. Dors. Un esprit, ça dort pas, docteur. Un esprit, ça dort pas. Voilà, c'était où, frère, le bruit. Un esprit, ça dort pas, Victor. Ça dort pas un esprit, Victor. Ça dort pas un esprit. On dort quand on est dans la matière. D. O. R. T. B. I. E. N. I. C. I. Dors bien ici. Tu nous demandes si nous on dort bien ici? Non, on dort pas ici, je suis désolé. Non. On reste ici, on va faire comme on le fait là pour essayer de rencontrer des esprits comme toi ou comme d'autres, pour essayer de connaître votre histoire, pour essayer de savoir ce que vous faites. Voir si vous avez besoin d'aide, voir qui vous êtes, hein, pour pouvoir vous identifier éventuellement, connaître votre nature, vos intentions, votre condition, savoir si vous êtes bien ou pas. Et voilà, on repartira tout à l'heure, on reprendra nos appareils, notre technologie, notre support pour communiquer. Je pense pas que vous deviez avoir une grande activité, c'est-à-dire ici, dans le sens où vous n'avez pas beaucoup de passages, hein. En règle générale, voilà, ils sont en train de rénover le château, mais voilà, je veux dire, vous ne devez pas voir beaucoup de monde, humainement parlant. C'est l'occasion pour vous, hein, on est là, on est dans deux mondes différents, tout en étant en même temps très proches. Vous êtes dans ce qu'on appelle
les vibrations actuellement, puisque vous êtes près de la Terre, vous êtes dans des vibrations matérielles, d'accord, terrestres, très proches de nous, et en même temps, comment ça s'appelle, on peut communiquer, voilà, avec vous. Donc, ça serait dommage de ne pas pouvoir avoir l'occasion de le faire et de ne pas pouvoir vous entendre, vous exprimer. Là, c'est vrai que je sais que tu m'as l'air de dire que c'était dur pour vous de vous communiquer. Alors, je ne sais pas pour quel motif, hein, je ne sais pas pourquoi, mais en tout état de cause, voilà. Moi, je sais ce que je t'ai dit, j'ai l'habitude de communiquer avec des esprits. Et très honnêtement, c'est généralement très fluide, c'est beaucoup plus fluide. Là, tu m'émets des mots, on essaie de comprendre des mots qui se suivent, on essaie de comprendre tes pensées, quoi. Mais c'est pas vraiment des phrases, tu vois. Ça veut rien dire, surtout. Bah, il y a beaucoup d'incohérences, en fait. Il y a des choses qui sont dites. Alors, je pense que tu veux t'exprimer, que tu veux dire des choses, mais nous, ça nous donne pas de précision, ça nous donne pas de phrases toutes faites, de façon à comprendre, de discuter, tu vois, d'avoir un échange. Donc, quand tu nous dis « femme, aime, maison », ensuite, on a compris, tu nous disais que ta femme était certainement encore ici, qu'elle aimait le château. Ouais, ça, je peux comprendre. Mais quand tu parles, parce qu'en… Je veux dire, si tu es mort ici en 1400 ans, on va dire, en l'an 1400, et que ça fait quand même plus de 600 ans que tu es en dehors, apparemment, tu ne t'es pas réincarné, je suppose. Voilà, tu as eu le temps d'évoluer en 600 ans, tu as eu le temps de voir des choses. Tu as certainement eu le temps de rencontrer tes guides et autres, et je ne comprends pas la difficulté que tu as à te communiquer avec nous. T'es mort en l'an 1400, apparemment, dans cet endroit. On est quand même ici, aujourd'hui, en 2022. Tu vois la différence? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es mort dans cette bâtisse, il s'est passé quasiment plus de 622 ans, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses, tu vois. Je ne pense pas qu'en 1400, tu avais ces technologies qu'on a devant, hein. Donc, je peux comprendre que ça peut être bizarre, mais je pense que si tu as vécu 622 ans en dehors de la matière et que tu vas, que tu as rejoint des sphères, que tu as rejoint ton au-delà, tu as dû participer et voir dans d'autres mondes des technologies similaires et tu devrais savoir comment ça fonctionne. Voilà, je ne connais pas ton évolution, mais tu devrais pouvoir avoir facile à communiquer sur ce support avec nous et à construire des phrases qui sont intelligibles, donc qui sont capables d'être comprises de façon à ce qu'on puisse avoir une communication, une discussion entre toi et nous. On va te demander, parce que tu nous dis qu'il y a une femme, tu nous demandais si on dormait ici, non, on ne dort pas ici. Tu nous as expliqué aussi qu'il y avait une femme qui était apparemment malsaine, qui était plutôt malveillante, et qui sillonnait le château, qui apparemment, au moment où tu voulais te communiquer tout à l'heure, elle t'empêche de parler. Bon, moi, on n'a rien vu de particulier. Cette femme ne s'est pas manifestée outre mesure. J'ai eu l'habitude de rencontrer des esprits dans certaines circonstances qui sont malveillants. Je vais de temps à autre, puisque c'est ma mission aussi d'aller dans le bas astral, dans des endroits qui sont plutôt, on va dire, chaotiques. Mais ça, j'y vais avec des guides, j'y vais avec d'autres esprits qui sont des esprits de lumière et qui ont une évolution nécessaire. Je n'ai pas peur, d'accord? Je n'ai pas peur du tout des esprits parce que je vous respecte, mais je n'ai pas peur des esprits qui nous sont inférieurs, qui ont une condition moindre. Est-ce que tu veux nous dire, avant qu'on bouge, on va aller dans un autre endroit, est-ce que tu veux nous dire encore quelque chose avant qu'on quitte cet endroit qui était considéré comme le tribunal? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? On va te laisser le mot de la fin, si tu veux bien, Voctor. M. O. R. T. J'ai dit mort ici, moi. Ouais. Il a dit mort ici pour l'instant.
Pardon. T'es mort ici pendu, c'est ça, docteur? D'accord. Rassure-moi, tu ne vis plus ici. Bizarre. Ouais. Comment il termine? Ouais. T'as remarqué que ce soit là ou tout à l'heure, quand tu leur parles de certaines choses, ça les dérange. Ouais, c'est bizarre. Ça les... Parce que le mot de la fin, tu lui laisses, tu discutes avec, tout, machin. Et le mot de la fin, quand tu lui laisses pour qu'il s'exprime, pour qu'il puisse dire les choses, il te dit mort ici pendu. Et après, il ne veut plus poursuivre parce qu'après, il te met sur fin, il te dit j'ai plus envie qu'on termine, quoi. Mais est-ce que des. Je donne une idée comme ça, est-ce que ça serait possible ou pas? Ceux qui sont décédés après avoir été jugés dans le château, oui. Est-ce qu'ils ne sont pas toujours renfermés en mode puni et ils ne peuvent pas communiquer? Non, parce non. Que non, en fait, bah non. Si, après, en fait, tout dépend de là. C'est si on écoute ce qu'il dit. Bon, il s'appelle Voktor. D'ailleurs, je vérifierai le nom si ça existe. Parce que moi, pour moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est j'ai l'impression qu'ils ont déjà beaucoup de mal à communiquer. Ouais. Alors, le fait qu'ils aient du mal à communiquer, ça peut venir du fait que c'est quand même un endroit qui est quand même relativement vieux, ouais, et que c'est peut-être des entités qui sont restées, on va dire, à un âge de conscience et même d'intelligence. Parce que c'est pas parce que tu es de l'autre côté que ton intelligence elle devient sublime. Et ils s'expriment en fonction de ce qu'ils sont. Donc si j'y arrive pas, ouais, nous quand on discute avec nos guides, ça, tu tomberas du cul, quoi. Tu dis, tiens, chez nous, ça, là t'as deux mondes. Hein. Ouais. Là nous, tu nous vois là-haut, c'est. Et puis la clairvoyance, c'est fluide. Ouais, on a des phrases, on a des textes, on a des communications pendant une heure. Hein. Et tu discutes avec quelqu'un. Tu vois, qui discutes avec quelqu'un qui. C'est un échange. Là, j'ai non. En fait, le truc qu'il y a, c'est que bon, là, ce que je comprends pas, c'est que en fait, il nous dit non. Lui, si on écoute ce qu'il dit, d'accord. T'as regardé le docteur si oui. En fait, pour moi, ça se trouve, il s'appelait Victor. Mais après, ils font des fautes d'orthographe aussi. Hein. Ouais. Bah oui. C'est un esprit de l'autre côté, c'est parce qu'il vient pas. Il a pas fait le cursus de Voltaire. Hein. Donc en fait, s'il est pas trop une intelligence de ouf, il peut faire des fautes d'orthographe quand il était vivant. Hein. Tu trouves Voktor ou il n'y a pas? Il y a Voktorio, mais sinon bon, c'est Victor. Je pense que c'était Victor, mais bon, après, on va lui laisser le bénéfice du doute. Hein. C'est pas très grave. Hein. Ouais. En général, en plus, comme je t'ai dit, hein, on lui demande un nom, donc il nous en donne un. Et ça se trouve, il pourrait s'appeler Roger, Pierre. Victor, t'as pas un en latin. Est-ce que dans le Moyen-Âge, ça s'appelait pas Victor? Parce qu'il a peut-être raison, hein, mais il faut qu'on cherche. Hein. Alors, il y avait beaucoup de Victor. Au Moyen-Âge? Mais sera rapidement oublié pendant plusieurs années, ouais. Notamment à la Révolution. Mais sinon, au Moyen-Âge, ouais, il y en avait. Au Moyen-Âge, il y avait des victoires. Ouais, il y avait regarde l'âge du Moyen-Âge quand même, parce qu'en 1300, c'était la période médiévale ou pas? Parce que moi, je veux savoir vraiment si on est vraiment dans le médiéval. Moyen-Âge, les dates, tu veux dire? Bah, si, en 1300. Tu mets en 1300, il va te donner la période de l'histoire. Hein. Ouais. En fait, il va te donner. En 1300, il va te donner, c'est quoi comme période hein. Dans Wikipédia, toi. Personne Syrie, machin. Tu mets année 1300, mais année 1300 en France. Tu mets année 1300 en France, et on aura une équivalence. Sinon, tu mets année 1300 voilà, en France, et on aura l'équivalent de la période. Si on met en 1300 en France plus période. Mais après la France, tu mets que période. Tu mets période, parce que... Histoire de France. Alors, clique sur Histoire de France. Parce que Wikipédia, il va nous mettre partout dans le monde. Mmh. Ok, vas-y, descends. Histoire de France. Descends. Alors, 1300 ans. Alors, vas-y, continue. Voilà, 1300, on y arrive. Hop. 1200 ans. 1200, 1670, c'était le règne de Saint-Louis. Ah oui, parce qu'après, entre 1337 et 1453, c'était la guerre de 100 ans. Ouais. La guerre de 100 ans, c'était tout le côté médiéval. Hein. Ouais. C'était ça, la guerre de 100 ans. Hein. Oui, donc c'est bien la période médiévale. Oui, puis période de 100 ans, 1400, si 1400 qu'il disait 1400, il était dans la période de la guerre de 100 ans.
Donc, alors le truc qu'il y a, c'est. Non, pour répondre à ta question, en fait, un esprit, si tu veux, qui a quitté, on va dire, la Terre, qui a rejoint son au-delà et qui sait qu'il est libre, qui peut aller et venir comme il veut, lui, il n'a pas de. Techniquement, il n'a pas de problème, tu vois. Donc, il n'est pas retenu ici, tu vois. Et il n'est pas puni. C'est sa femme, par exemple, à lui, qui est restée, on va dire, dans les murs, parce qu'elle a un attachement au château, parce qu'elle aime bien l'endroit, parce que ça, certainement, elle a plein de souvenirs. Et que elle a rencontré d'autres esprits, qu'elle a fait des choses ici, machin. Et du coup, elle ne veut pas bouger, tu vois. Elle est bien là. Elle est bien là parce qu'elle ne connaît pas l'au-delà, elle ne connaît pas ce que c'est de l'autre côté. Et du coup, elle est dans cette condition. Par contre, elle peut, si sa condition n'est pas ouf, elle peut très bien rester dans une forme de tourment, tu vois, quelque chose comme si elle tournait en boucle dans un cycle un peu vicieux. Et vivre ici. Elle peut avoir des bons souvenirs, mais elle peut en avoir aussi des mauvais. Et les mauvais, ça peut être une punition quotidienne pour elle. Mais un esprit, normalement, qui est parti d'ici, qui vit de l'autre côté, qui a vécu dans l'au-delà et tout, il ne subit plus l'influence de cet endroit. Ceux qui subissent l'influence de cet endroit, c'est ceux qui restent ici, qui n'ont jamais été dans l'au-delà, et qui vivent au travers de leurs souvenirs, de leur histoire ici, bonne comme mauvaise. Hein. Donc voilà, il a voulu nous dire, puisqu'on lui a demandé, après tout, on lui a demandé le mot de la fin pour lui. Il nous a dit mort ici pendu. D'accord? Donc pour lui, bon, je pense qu'il s'appelait Victor. Oui, je pense que ça doit être ça. Hein, parce que, bon, et toi, je te dis, ils peuvent faire des petites erreurs comme ça arrive. Il s'appelait Victor. Tu peux juste rallumer pour... Et je pense qu'il s'appelait Victor. Bon, il nous a dit qu'il était mort en 1400, ce qui est tout à fait probable, puisque la bâtisse est de 1300. C'est facile. Et qu'il a, comment dire. Il nous a donné l'information. Donc après, effectivement, mort ici, pendu, 1400, c'est tout à fait probable. Donc voilà, il nous a dit qu'il y avait une femme qui était quand même malsaine, malveillante ici. Voilà, on n'a pas eu... Ouais, il nous a dit qu'elle était là, mais bon. Il nous a demandé de s'endormir ici. C'est intéressant. Parce que peut-être qu'il nous aurait dit des choses, peut-être pour dormir ici, mais faites gaffe à cet endroit, n'allez pas là. Voilà, mais bon, voilà. Voilà. C'est bizarre qu'ils nous disent qu'on ne suit pas, parce que je pense que, je veux dire, s'il y a du passage ici, je pense que... Voilà. Bon, c'est pas grave. Écoute, donc on était... Je parle pour la caméra, parce que je te redonnerai. On était dans le comment ça s'appelle, dans le tribunal, dans l'ancien tribunal de cette bâtisse, de cet ancien château de l'an 1300. Voilà, apparemment, on aurait en communication, on a eu un esprit qui s'appelait Voktor, mais bon, à mon avis, il a fait une erreur d'appréciation, c'était plutôt Victor. Voilà, il nous a averti qu'il y avait une femme qui était ici, qui était malveillante. Il nous a expliqué qu'il avait rejoint son au-delà, qu'il ne vivait plus ici, mais qu'il était mort ici en l'an 1400, pendu. Il revient apparemment ici, tout simplement pour pouvoir voir sa femme qui apparemment vit toujours dans les murs de ce château. Qui apparemment, elle affectionne cet endroit, elle est restée attachée à cette matière et il vient la visiter de temps en temps. Et voilà, donc je pense que lui, il va, il vient. Il était succinct, mais il était correct, il était respectueux. Il nous a donné quelques informations et après, il a mis le mot fin, donc il a mis un terme à la communication. Donc c'est bien, voilà. Donc on va poursuivre. Et je te propose d'aller dans les caves. Ouais, dans les caves. On va y aller maintenant. D'accord. On va y aller maintenant et puis je pense qu'après les caves on pourra je pense conclure. D'accord. Parce que de toute façon après on avait dit qu'on allait faire les loges. On fait les loges en dernier, d'accord. Tant qu'on est dans la bâtisse, on va faire les caves. On va aller voir tout ça. Et puis après, on ira faire un tour dans les loges où il y a le lit, où il y a la dame qui est décédée dans un des lits. Et puis après, on fera une petite conclusion de la soirée, hein, parce qu'on aura quand même visité pas mal de choses. Nous, on pourra ensuite analyser nos vidéos de façon à voir s'il y a des choses qui nous ont échappé. Parce qu'il faut quand même savoir que les esprits, quand ils se manifestent, des fois ils se font sentir entendre, on va dire, sur sur la vidéo. On ne les entend pas forcément ici. On peut avoir des bruits, on peut avoir des choses, des PVE qui peuvent apparaître sur la vidéo, parce que nous, au sens matériel, même si en tant que médium, je vous assure que pour l'instant, j'ai trouvé que c'était encore assez soft.
Après, bon, on va voir la cave, et là, je pense que les caves, à mon avis, ça va être différent. Tu peux préciser aussi, c'est que ouais. Je pense qu'on l'a entendu, mais pendant la séance, il y a eu pas mal de petits bruits. Absolument, on a eu. Voilà, on verra bien, tu avais filmé aussi un peu là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que pendant la communication avec Victor, donc on va l'appeler Victor, parce que à mon avis, c'était Victor, il nous a bien précisé qu'il y avait une femme qui se trouvait en face de nous, là, en face de nous, justement, et qui était plutôt malveillante. Alors, cette femme, apparemment, en tant qu'esprit, le dérangeait, pour le gênait pour la communication. C'est ça. Il nous a expliqué que c'était dur à se communiquer. Apparemment, cette femme importune, et puis, je pense, par sa condition, elle tourne ici, et je pense que, voilà, elle est malveillante, d'accord. Elle est négative, il nous l'a précisé. Hein. Et effectivement, derrière, on a eu effectivement pas mal de bruit. Alors, des bruits très suspects. Tout à l'heure, tu m'as dit avoir entendu, alors on espère qu'on va le capter, tu nous as dit en oh, ou quelque ouais, chose comme un ou. Donc on verra bien si la caméra l'a capté et du coup on entendra peut-être beaucoup mieux. Effectivement, ouais, on a eu beaucoup de bruit. Alors on pourrait dire qu'il y a certains bruits qui sont liés à la bâtisse, mais il y a des bruits quand même, quand je dis toujours, qui sont plutôt intelligents. Ouais. Donc tu te dis dans ces moments-là, quand tu entends ces bruits, tu dis c'est des bruits suspects, mais c'est surtout des bruits qui sont je dis toujours intelligent, tu sais que ça craque, mais ce n'est pas un craquement lié à la matière. C'est quelque chose, tu as l'impression que c'est comme si quelqu'un nous disait « je suis là ». Donc on va voir tout ça, on va continuer, on va poursuivre. Dans la cave. Tu n'as plus de batterie ? Ouais. Il faut la changer quoi. Tu peux juste pas. La brancher un petit peu. Ça tiendra ? Ouais, une dizaine de minutes. Ouais, bon, on va voir un combat, puis ouais. on va reprendre après. Ouais, tranquillement. Voilà. Ok, alors on va couper la vidéo pour la séance de communication au tribunal, avec tout ce que je vous ai dit. Et puis là, on va descendre, on va aller boire un petit coup, histoire de, hein, un petit peu d'eau. Et puis on va recharger les batteries, comme on dit, puis on se retrouve dans les caves après. Voilà. C'est parti. Du coup, on se retrouve dans le château, comme toujours, comme tout à l'heure. J'ai créé un petit mécanisme, c'est une planche en bois, c'est un peu, entre guillemets, la même technique que la table de Ouija, tu vois, j'ai voulu que ça ressemble un petit peu. Là, j'ai collé des lettres avec un 8 et un an, et là, en fait, au milieu, j'ai mis une petite bille. Alors, en métal. En précisant que là, on voit bien, on est à même le sol, ouais. Que la bille est stable. La bille est stable. Donc la bille, techniquement, là, elle ne bouge pas du tout, elle n'a pas de raison de bouger. Physiquement en parlant, elle n'a pas de raison de bouger, quoi. Donc ensuite, Dylan ? Ensuite, le but de cette expérience, que je n'ai jamais encore réalisée puisque j'ai créé cette chose aujourd'hui, ça serait de poser des questions aux éventuels esprits, aux éventuels fantômes du lieu, et de demander en fait, de faire bouger la bille vers le oui ou le non. Donc ça ne ferait pas comme la Ouija puisqu'on ne pourrait pas aller sur chaque lettre, mais ça serait des questions simples. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, le principe, c'est quand même que la bille reste sur le plateau. Ouais. Et que l'esprit utilise et une action, on va dire, sur la matière étant la bille, et qu'il puisse, par sa volonté et par son action, diriger la bille, qui est quand même facile d'utilisation, parce qu'elle est ronde, hein, c'est une bille, et d'aller sur le oui ou sur le non en fonction des questions qu'on peut poser. C'est ça. Donc, bah écoute, Je suis parti du point de vue aussi de mettre une bille en métal, puisque les champs électromagnétiques. Ça pourrait faire réagir tout ce qui est objet. Ouais. On voit bien avec le K2. Ouais, ouais. On sait que sur ce genre de bille en métal, c'est un peu comme un aimant en fait. Ça devrait bouger. C'est ce qu'on raconte après. Tout à fait. Bah écoute, on peut toujours tenter l'expérience. Là, on est quand même sur une surface plane, comme j'ai dit. Et même si la bille, je dirais, sortait du demi-cercle là, même si elle sortait du demi-cercle, techniquement, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Oui, voilà. Et je veux dire, il faut bien quand même, à un moment donné, se dire, là, elle est posée. Si la bille vient à rouler ou à partir, il faut qu'il y ait une action normalement mécanique dessus. Ouais. Mais vu qu'il n'y a personne qui la pousse, s'il y a une action, on va dire, entre guillemets, mécanique sur la bille, s'il y a personne qui est là, c'est que forcément, ça vient d'un esprit. Ouais. Sinon, je ne vois pas d'où ça peut venir. Oui, oui, oui. On ne bouge pas, donc nous, le plancher n'est pas stable, hein, donc on précise. Ouais. Il est stable, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, actuellement, il n'y a aucune raison de qu'elle bouge. On est d'accord ? On est d'accord. On va essayer de la faire bouger par un esprit, une entité qui est présente. Éventuellement, on va voir s'il peut l'utiliser et avoir une action sur la bille et à se diriger vers le oui ou le non en fonction des questions.
Je te laisse faire. Ouais, on peut tester. Ouais, on peut tester sur des questions simples. Depuis tout à l'heure, on est dans le château. On a essayé de communiquer avec vous. On est monté aux étages, on est allé dans le grenier. On est allé un petit peu partout. Là, on se retrouve en bas, dans la grande pièce principale, à l'entrée du château. Et j'ai installé quelque chose pour essayer de communiquer ensemble. Une petite planche en bois arrondie avec un oui et un non. Et une petite bille au milieu. Tiens, je te coupe devant. Ça a parlé. Hein. Ça a rien. Ouais. Ah ouais. J'espère que ça. J'écouterai la bande, le portable. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Ah putain. Si je l'ai, mon avis, je vais l'écouter attentivement. Ouais. Je suis à 3 minutes 35. Je vais l'écouter attentivement tout à l'heure. J'ai entendu quelqu'un qui a parlé derrière. La vache, puis moi j'ai aucune caméra. Tu vois, eh oui, mais ça. Tu vois. C'est une voix d'homme. Une voix d'homme ? Ouais. Et c'était pas audible pour que je comprenne, mais ça a parlé. Je te jure que si elle est dessus, tu vois. Putain. Vas-y, je t'en prie. Et le but en fait de cette vie, ça serait de la bouger vers le oui ou le non après vous avoir posé des questions. Donc je suis toujours avec Stéphane. Pour les personnes qui nous auraient peut-être pas vu. Tout à l'heure, on vous invite à venir vous manifester grâce à cet objet. Dans un premier temps, si quelqu'un est là, est-ce que cette personne pourrait faire bouger la bille vers le oui ? On va rester sur des questions simples, mais essayez de faire bouger la bille dans un premier temps vers le oui ou vers un endroit pour nous montrer que vous êtes là. Ou tout simplement déjà bouger la bille. C'est quelque chose de très simple hein, de bouger la bille. Hein. C'est pas compliqué du tout. Hein. Il suffit juste de la pousser hein, avec votre volonté. Ça roule une bille. Vous êtes timide? Il n'y a rien de dangereux ici. Rien qui puisse vous faire du mal. Bougez la bille qui est sur ce support, s'il vous plaît. On voudrait pouvoir vérifier par nous-mêmes votre présence dans le cadre d'une une manifestation de votre part, une action sur la matière, s'il vous plaît. On est là pour pouvoir révéler votre présence. Alors, prenez l'occasion de vous manifester, car comme je l'ai dit, vous ne devez pas non plus avoir beaucoup de passages humains incarnés dans la matière, ici, dans cette bâtisse, tous les jours. On est présent. On a dit qu'on voulait communiquer avec vous, on a expliqué qu'on voulait pouvoir montrer votre présence dans ce château et qu'au travers de ces objets, on voudrait pouvoir révéler votre esprit. Faites-le. C'est une façon aussi de vous occuper, d'aider les gens à prendre conscience de la réalité spirit, de la réalité des esprits qui vivent en dehors de la matière, qui sont libres, conscients, et qui peuvent aussi agir sur nos pensées et aussi sur la matière sur Terre. Cette bâtisse a été faite, a été créée en 1300, en l'an 1300. On est en 2022. Ça fait quand même quasiment 722 ans. Je pense que depuis tout ce temps, il doit y avoir beaucoup de monde ici. Donc il y en a bien un qui, d'entre vous, même un enfant qui voudrait jouer avec la bille, puisse le faire. On vous laisse un peu de temps. On est là. N'hésitez pas à vous manifester. À vous manifester. Qu'on puisse vous entendre. Vous voir. Agir.
Est-ce que vous êtes content de nous voir ici ce soir dans ce château? Oui ou non? Est-ce que nos présences vous dérangent dans votre quotidien, dans ces murs, dans ces endroits où vous habitez depuis si longtemps? Il n'y a pas âme qui vive ici-bas, dans cet endroit? Il y a juste deux âmes incarnées, ici même, à vous parler. Il n'y a pas d'esprit ici. Il n'y a pas d'esprit libre. Nous sommes seuls, c'est ça. Personne ne veut engager une discussion avec nous. Personne ne veut se manifester et profiter de l'occasion. Vous préférez rester terré dans ces murs, à errer et à souffrir, à revivre votre passé douloureux, attaché à cette matière qui ne peut plus vous recevoir. Vous êtes des esprits. Vous n'êtes plus des êtres humains. C'est fou. Si je dis répresse, c'est bizarrement calme. Le calme avant la tempête. Oui, c'est ça. C'est possible. Est-ce qu'ils sont en train de se consulter, de se demander ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour l'instant, moi, je ne vois rien venir. On ne cherche pas à vous provoquer, hein. On cherche à ce que vous vous manifestiez, c'est pas pareil. On ne restera pas la nuit ici, d'accord? Donc profitez-en avant qu'on parte. On a quand même ramené beaucoup de matériel, on a ramené nos sensibilités, notre capacité à être des intermédiaires entre les esprits et les hommes. On est ici pour pouvoir communiquer avec vous, pour pouvoir vous percevoir, vous ressentir, vous voir ou vous entendre, ou vous voir agir sur la matière. Mais nous ne resterons pas ici, donc profitez de l'occasion qui vous est donnée pour agir. Tu vois, t'as beau marcher. Ouais, tu passes à côté, ça bouge pas. Voilà, vous allez, on va passer, on va peut-être rester peut-être encore une bonne heure ici, mais après vous ne nous verrez plus, hein. Vous n'aurez pas l'occasion de vous manifester. Ou alors vous le ferez, mais entre vous, quand vous serez seul, ça n'a pas grand intérêt, hein. Le but d'une manifestation, c'est de pouvoir être vu ou entendu par des êtres humains, de façon à ce que nous puissions, affirmer et confirmer votre présence par vos manifestations, vos actions sur la matière. Et pour cela, il faut agir, pas seulement regarder. Ouais. On peut, pas de soucis. Il faut se manifester, hein. Oh putain, je vois plus rien avec le téléphone aussi. Okay. Non. Ou alors, faut que tu mettes une lumière qui éclaire un peu vers nous. Ouais, tu mets un petit truc qui éclaire vers nous, hein, c'est tout. Hein. Le principal, c'est qu'on puisse filmer la situation. Ouais, ça va bien. Ouais, ça va, c'est. Si tu restes comme ça, oui. Okay. Par contre, les baguettes, on les voit pas trop. On voit pas trop. Si, il faut que tu. Ouais, reste comme ça. Il faut que tu sois fixé sur les baguettes, on voit quand même la table. Reste comme ça, ouais. Je vais venir plus vers là, par contre.
Ouais. Ouais, bah c'est tant que t'éclaires les baguettes. En fait, t'éclaires bien les baguettes et un petit peu vers la table et c'est bon. Hein. Ouais, voilà, c'est impeccable. Bouge plus. Tu veux poser des questions, tu veux dire deux, trois trucs. Parce que faut les haranguer un petit peu. Faut un petit peu les. On s'est mis dans le noir, je sais pas si ça peut peut-être vous aider. Il y a toujours la bille pour aller vers le oui ou vers le non. Et j'ai aussi placé autre chose, ça s'appelle des baguettes de sourcier. Ça existe depuis de nombreuses années. C'était utilisé pour trouver des sources d'eau à l'époque. Mais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent pour essayer de communiquer avec vous, pour communiquer avec, avec les morts. Sauf que moi, je ne les garde pas dans la main, je les place sur un support, c'est censé ne pas bouger du tout. Il suffirait de venir, de vous en rapprocher, d'interagir avec ces différents objets pour tout simplement bah, nous montrer que vous êtes là ce soir avec nous dans ce château. Un bruit dans la cuisine. Le frigo à gauche, là, il est en fonction ou pas? Non, il n'est plus en fonction. Donc c'est pas le frigo. Tout est éteint. Ouais, donc c'est pas le frigo. Ouais, on a eu un bruit dans la cuisine. Il était net. Je pense qu'on l'entendra même sur la vidéo. Tu vas réussi à voir, de ce moment? Je vais regarder. Vite fait. Ça peut venir d'où ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de qui pourrait produire ce bruit? Non, non, mais c'était un bruit. C'était un bruit qui s'est provoqué, ça. Ça, c'est pas un bruit de quelque chose, c'est un bruit qui est provoqué, ça. C'est pour attirer notre attention. Oh, reviens vers là. C'est. Pas comme ça un peu. Oui, mais encore un peu différent. C'est pas encore le même style, mais ça se recoupe un peu, mais c'est pas encore ça. T'as vu, ils s'amusent un peu. Je pense que voilà, on est là et on leur demande de le faire ça. Ils font dans la cuisine, tu vois. Ouais. C'est pas grave. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Un bruit fort, taper contre une porte, fermer une porte. Peut-être aussi allumer des lumières si vous y arrivez. Beaucoup de personnes racontent que vous avez allumé la lumière des toilettes. Alors peut-être que c'était pas des toilettes avant, pour vous. Maintenant c'est des toilettes. Donc plusieurs personnes disent que vous vous amusez avec la lumière des toilettes. Refaites un bruit dans la cuisine. C'est que tu vas me filmer avec le portable. Mmh. Je vais prendre les baguettes, je vais les prendre dans les mains. Mmh. Vu que je suis médium, ça va peut-être passer au niveau. La porte, t'as vu? Si elle s'était entrouverte, il y a peut-être quelqu'un dans la cuisine. Possible, ouais. C'était peut-être pas une cuisine en plus, tu vois. Oui, c'était peut-être une cuisine en plus. Okay. On va prendre. Parce que du coup, je trouve que quand même, depuis qu'on est là, il y a pas mal de choses qui se sont localisées dans la cuisine. Ouais.
on va voir s'il y a vraiment des... On va voir là. Elle est là. Elle est pas là. Et là, elle est là. Elle est là, derrière la porte, normalement. Hein. Ouais. Elle est entrouverte. Ouais. Alors, est-ce qu'elle s'ouvre toute seule? C'est ce que c'est. Toi, le bruit de clanche que je t'ai dit, ça se trouve, c'est ça. Ah, mon cul. Hein. Non, elle ne s'ouvre pas toute seule. D'accord. Donc là. Ah non, là, pour l'ouvrir. Tu peux pas l'ouvrir. T'es d'accord? Ouais. Hey. Tiroir. Tu me repars. Non, c'est impossible. Donc. Là, tu es obligé de clencher, tu vois. Et regarde. Ouais. Clanche, mais regarde. Comment non, ça mais... bloque. Non, non, mais le bruit qu'on a entendu, c'est ça. En fait, la porte, elle s'est entre-ouverte. Ouais, c'est possible. C'est possible, hein. Ça peut ressembler, ouais. Bah... Mais viens voir tes théories. Quand t'essayes d'ouvrir, faut forcer, quand même. Viens. Ouais, mais... Oui. Mais quand... Ah non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, mais là, c'est, ça peut tirer, pas être quoi. Devant. Ça peut non, pas non, être devant. Parce que même si tu tires, il y a une action. Ouais, ouais, ouais. Et là, quand elle est déclenchée, comme ça, si même si c'était le vent... Vas-y, ouais. Ça tient, hein? Oui, donc le bruit qu'on a entendu, il y a une chance que ce soit ça. Tu vois, par exemple, là, on s'est dit, ok, là, on se dit, la porte était comme ça, je l'ai refermée, et alors, tu reviens, elle est entrouverte, alors qu'on a eu du bruit tout à l'heure dans la cuisine. Donc ça, ça il faut le dire, tu vois, quand même. Ouais. Puis peut-être le petit toc là, en métal qu'on a entendu, ça doit être la planche, ou... Tu vois, ça ressemble. Possible, ouais. Ça peut ressembler. Ça ressemble un peu. Ouais, ça ressemble. Ouais, ouais. Il faut le dire. Ça prend un moment. C'est fini, ça. Que les gens qu'on sache aussi. Alors. Bon, alors voilà. Là, on est dans une au rez-de-chaussée, on est dans la cuisine. Tout à l'heure, Dylan m'a fait remarquer que cette porte, ici même, quand on est arrivé tout à l'heure, était un peu entrouverte comme ça. Il m'a demandé, quand je suis venu, si j'avais vu la porte fermée ou entrouverte. J'ai expliqué donc à Dylan que, n'ayant pas vu si elle était ouverte ou fermée, je ne peux pas dire que ça a été provoqué par un esprit ou par quelque chose. Quand on a vu ça, on était là, on est venu. J'ai refermé cette porte. Ok. J'ai refermé cette porte. Alors je vais vous montrer quand même. Hein. Et la porte. De quoi? Et la porte, quand vous tirez qu'elle est clenchée, regardez. Hein. Pourtant j'ai de la force, je tire dessus, regardez. Vraiment forcé. Il faut vraiment y aller. Pendant que tout à l'heure, d'ailleurs je pense qu'on a dû l'entendre le bruit sur la caméra, on vous remettra le bruit doit être dessus sur la vidéo. Quand on était en train de faire les baguettes de saucisses avec Dylan, on s'est retourné, on a entendu un bruit sourd. Au début, on croyait que c'était un bruit un peu métallique. On a entendu, et du coup, quand on a regardé la porte, on a entendu un bruit un peu comme ça, comme si on touchait la clenche. Et on est revenu avec Dylan, j'ai dit à Dylan, on va aller faire un tour dans la cuisine, parce qu'on a eu quand même pas mal de choses qui sont passées un peu dans la cuisine. Et on est venu. Et quand on arrive, mes amis, la porte était de nouveau entrouverte. Donc, voilà, je vous ai expliqué. Hein. Là, on est quand même sur quelque chose de clair. C'est-à-dire que j'ai refermé personnellement la porte. Je vous ai montré, hein, il faut vraiment tirer dessus, elle ne bouge pas. Et même, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Hein. Quand on clenche, et qu'on tire, regardez, je clenche et je tire, regardez la difficulté qu'il y a à venir. Voilà. Il faut vraiment tirer dessus, quoi. Forcer. Même quand on clenche, il faut forcer. Et quand on a entendu le bruit tout à l'heure, du coup, qui reste quand même plus ou moins lié à la clenche, parce qu'on a refait l'expérience, et quand on est arrivé là, dans la cuisine, et ben, la porte était entrouverte. Donc, elle n'y était pas tout à l'heure, maintenant elle y est, donc... Là, point de vue rationnel, au niveau matériel, ça commence à être un peu compliqué d'expliquer ce genre de phénomène. Donc voilà. Donc là, on va faire une petite séance ici de Ouija.
puisqu'il y a eu des choses, et on va voir si on peut communiquer avec quelqu'un en particulier qui est dans cette cuisine. A tout de suite. T'as bien expliqué. Okay. Ouais. Ça, c'est bien de rester rationnel, mais t'as vu, des fois, c'est chaud. Hein. Bah, tu lances pas une question. Après, t'es rationnel dans le spirituel, en fait. Hein. Ouais, c'est déjà t'expliqué un phénomène spirituel de façon rationnelle, parce que bah, tu peux pas l'expliquer d'un point de vue matériel aussi. Non, ça fatigue, Dylan. Non, ça va, mais j'ai du mal à m'organiser avec les plus de grands maîtres. Mais ça m'a mis un peu mal à l'aise, là, la porte ouverte comme ça. T'inquiète. Ça me fait pas peur, hein, mais c'est surprenant quand même, tu vois. Ça reste surprenant. C'est comme par hasard, on en parlait tout à l'heure, tu vois. C'est quand même fou. Ouais. Des fois, c'est pas le hasard, quoi, c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Ok, on va faire ça ici. Hein, je prends que je remets pareil tout à l'heure, on prend un support à l'identique. Hop, 40%, ça va rester le temps. Un courant d'air, tu peux pas. Même un courant d'air, tu justifies pas qu'il y a là. Parce que vu qu'on en tire dessus, que ça bouge pas. Mais pas autant. Quoi. Bah non, le problème d'un courant d'air, c'est que. Oui, quand t'as une porte qui est sensiblement. Qui est susceptible de s'ouvrir parce qu'elle est pas trop tenue ou qu'elle est ouverte. Mais là, vu comment. Quand elle est fermée, comment ça. C'est compliqué d'ouvrir. Comment c'est dur. Ça devient compliqué de pouvoir. De pouvoir justifier ça par un problème. Non, là c'est pour ouvrir une porte qui est aussi dure à clencher ou aussi dure à ouvrir. En plus, quand elle est clenchée, qu'elle est bien posée, c'est fermé quoi. C'est fermé. Tu peux pas l'ouvrir comme ça. Hein. Un courant d'air, impossible. Hein. Tu regardes, tu remarques une chose, c'est que nous sur la matière, c'est tu vois, t'es obligé de tirer quand même. Ouais. Ça me paraît un peu compliqué de justifier autrement que par. En plus, on a entendu un bruit quand on a la pile ou quand on est là. Donc. On n'a pas entendu le bruit, on n'entend pas la ligne, mais on a entendu un bruit. Et le bruit qu'on a entendu, ça ressemblait à ça en fait. Ah ouais. Oui, mais c'est personne n'est cloche. C'est con, c'est un, franchement, je te jure que j'aime bien pouvoir prendre en vidéo quand ça arrive. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça. Hein. Mais même quand, je vois des vidéos, des fois des gens, j'ai vu les groupes, quand il a demandé de fermer la porte, tu vois la porte, elle se referme tout doucement. Ouais. Putain, c'est une balade. Ouais. La voix qui est en haut aussi tout à l'heure quand tu me dis que tu as entendu aussi un bruit parler,
Ça, c'est pareil sur le haut, le... ouais, sur les hauts, tu vas le café. Hein. Mais je suis persuadé tout à l'heure qu'elle a entendu quelqu'un. Un autre par contre. J'ai encore une voix ici. Un autre ici. Ah, tu vas voir, c'est. Mais je suis surpris de. Il y a pas mal de choses qui sont surprises quand même. C'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Mais je m'attendais à avoir plus de ressenti au niveau des énergies, des frissons, des choses qui viennent m'envahir. Je m'attendais à avoir plus de mouvements physiques. Ou lié à des énergies en place, avec, parce que je pense qu'ici, quand même, pas mal d'esprit, et je m'attendais à plus de, on va dire, de remue-ménage dans un endroit qui est chargé d'un histoire comme ça. Tu vois ouais. Et je trouve que, ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est bizarrement calme pour un endroit comme ça. Oui, c'est même un endroit, il est, c'est un classique, c'est un ancien château qui date de l'an 1300. Il y a encore, il y a dû avoir beaucoup d'esprit, il y a encore beaucoup d'esprit, on a dit, de se prendre ici. Et voilà. Je sais pas, peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas, et peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent, peut-être qu'il y a des choses qui leur font peur, qui les déstabilisent, peut-être qu'il y a des choses qui. Peut-être qu'ils n'osent pas nous approcher parce qu'il y a des choses qui les dérangent. Peut-être qu'il y a des esprits qui dérangent et qui ne peuvent pas approcher. Oui. Ouais, niveau. On va regarder ça, on va voir si c'est quelqu'un dans la cuisine. Est-ce qu'il y a vraiment une dame qui leur empêcherait de. C'est moi aussi, non? Il y a peut-être un esprit qui empêche les communications. Mmh. C'est possible. Hein. Qui est un peu, si c'est un esprit malveillant, qui empêche de. Tu devrais faire, tu sais quoi, comment on fait ça, tu devrais filmer la porte. La porte, ouais. Ah, pardon. Parce que là, on va se retrouver dans une situation. Et si on pouvait filmer la porte, parce que bah, ça, c'est imagine-toi, si tu la filmes et qu'elle est en train de s'ouvrir toute seule alors qu'elle est déclenchée. Regarde, je vais faire comme ça. Ouais. Au moins, on nous voit. Et là, c'est bien. C'est pas, on va déclencher, clencher, là. Vraiment. On se met dans le noir dans le... Bon, ça, ça va au niveau de la lumière, c'est juste au niveau de la lumière. Oui, on est bien. On est bien. Ouais, ouais, on est bien. Hein. Si, ça donne, c'est bien. Hein. Ouais. Ok. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Vas-y, vas-y. Puis en fait, ça, c'est un ancien appareil photo. Mm-hmm. Et les pellicules, tu les vois directement ici. Ah, et en fait, ouais. Les pellicules que tu as sur ta carte SD, ah ouais, les images. C'est vraiment comme en forme pellicule. Ah ouais, je vois ce que tu veux. C'est pas en mode. C'est pas comme un. Ah, je vois ce que tu veux. Tu vois les proximités. En fait, il faut prendre des lumières, des photos en train de ça. Tu vois, c'est vraiment ouais. Ça. Hein. Mais tu devrais prendre. Il fait nocturne ou pas ouais, non. Ouais. Faudrait que tu prennes dans certaines pièces des photos. Oui, ah oui, on voit comme ça. Ah oui, parce que en fait. C'est vrai. Si, tu vois, on va voir ce que ça donne au niveau de la photo après. Ah, tu vois, après, il galère un peu. Parce que vu que c'est un ancien. Bon, ouais. Déjà, rien. Et mais c'est nickel. Hein. La photo, ouais. Tu la vois bien. Mais il y a quelques moments parce que là. Non, c'est parce que c'est normal. Ça marque tout le temps. Mais en fait, quand tu prends des photos, il faut prendre des photos de comme ça. Ah, qui a commenté. Bah oui, c'est raison. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, mais j'en prends. Tiens, j'en prends un peu celui-là. En fait, quand parce qu'en fait, quand tu prends des photos, il y a des choses que tu vas pas voir sur la photo, mais tu la verras. Bah, moi, ce que j'ai,
cette configuration. Tu as des prises en photo celle-là avec la porte ? Non. Ouais. Tu veux être dessus ou pas ? Bah ouais, tu la prends comme ça, c'est pour montrer si tu veux que je tire dessus. Des fois, quand tu prends des photos toutes simples, prends-moi une photo tout simple. Ouais. Parce que des fois, il y a des choses qui apparaissent à côté de toi. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça ? Il faut des fois une personne présente sur la photo. Ouais. Parce qu'en fait, vu que tu as des esprits autour de toi, qui sont attirés par toi, tu peux avoir des esprits qui sur la photo. C'est ce qu'on voyait dans l'ancien temps. Exactement. Ça peut être super intéressant de découvrir les endroits. Par contre, ça, ce serait intéressant. Tu en as encore dedans ? Ouais, je dois encore avoir une boîte. On met mieux en bas dans les cas. Ouais. Parce que quand on va se mettre ce qu'il faut faire pour que ce soit intéressant pour tout ça, c'est se mettre, admettons, au fond du couloir. Ouais. Et de prendre la photo qui prend directement toutes les voûtes pour voir si on voit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut toujours essayer de trouver un angle de vue qui permet vraiment te donne un champ de vision, une qualité de photo qui soit où tu puisses voir des choses. Tout au fond, on va tout faire à gauche. Et là, tu prends direct une photo au milieu qui est vite. Elle sert dessus en mode ancien derrière. Ah bah oui, elle est classe. Ouais, c'est clair. Après, ça c'est une photo qui peut te servir aussi sur la vidéo. Ouais, c'est les deux photos, les deux endroits, les vieux trucs, ouais, ça marche pas mal. Ça donne une ambiance, quoi. Ouais. Bon, on avance sur ça. Ouais. Après, il faut qu'on aille voir, il faut vraiment qu'on descende voir les cadres. Ouais, juste ici, celle-ci. On voit les cadres directement et après, on va faire la loge. Ouais. On va aller voir la chambre de la femme. Ouais, elle va pas marcher. Ouais, c'est pas ça. Peut-être qu'il n'y a pas marché, c'est ça que tu as tout seul. Ouais. Bizarrement. Tu veux laisser la lumière là-bas ? Ouais. On va commencer. Ouais. Allez. Donc là, on se situe dans la cuisine. Alors la cuisine où on vous a parlé de la fameuse porte qui s'est ouverte. On vous a expliqué tout à l'heure, on vous réexpliquera. Là, on va faire on a entendu du bruit pas mal de fois tout à l'heure ici. Donc là, on va essayer de communiquer, voir s'il y a une entité ou s'il y a un esprit en particulier qui réside dans cet endroit, dans cette cuisine, qui initialement n'a peut-être pas été une cuisine en 1300 ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou Première ou Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on va essayer de communiquer avec un esprit, on va voir si on a quelqu'un d'autre de ce qu'on a eu pour l'instant par rapport aux deux autres esprits avec qui on a communiqué, et puis on va bien voir ce que ça donne. C'est bon pour toi, Dylan ? Ouais, c'est bon. Ok, on y va. Donc on va essayer de communiquer avec l'entité ou une entité qui résiderait, on va dire, dans cette cuisine. Nous avons eu tout à l'heure quelqu'un qui, un de vous, un esprit qui a ouvert cette porte, qui est dur à ouvrir, qui a clenché, puisque nous on était dans l'autre caisse et on vous a entendu. Et on est arrivé et la porte était ouverte alors qu'elle était initialement fermée. Donc on va essayer de savoir s'il y a quelqu'un en présence. On va essayer de communiquer avec vous, toujours dans le respect. On va vous demander de bien vouloir vous identifier, nous donner de votre prénom, s'il vous plaît, qu'on sache à qui on a affaire. Donc bonsoir, moi c'est Stéphane, là c'est Dylan. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec vous ? Est-ce que vous êtes là ? Merci de vous manifester. On y va ? Bonsoir. Ça accroche.
Oui, j'ai bien compris que tu t'étais trompé. Donc, tu voulais nous dire bonsoir? D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît? Oui. 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 C'est ouf, parce que je te dis après. Vas-y, je t'en prie, continue, Hugues. Est-ce que tu vis dans ce château? D'accord. Ça te parle. D'accord. Est-ce que tu es l'esprit qui a ouvert cette porte tout à l'heure, qui est très difficile à ouvrir sans une action, on va dire, une force dessus? Est-ce que c'est toi qui l'as ouverte? Oui, tout à l'heure, moi je l'ai ouverte. Mais tout à l'heure, quand on était dans la pièce là à côté, on était avec des baguettes, il y a eu un bruit de clenche qui correspondait à cette clenche. Et la porte était entrouverte alors que je l'avais fermée avant correctement de repartir dans cette pièce. Et quand on est revenu ici, la porte était entrouverte de nouveau. Qui l'a entrouverte, s'il te plaît? Hugues. Manchot. Manchot, ouais. Manchot, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi Manchot? Hugues. Chaud, ça écrit pareil. Manchot, tu confirmes bien Manchot? Veut dire quoi, manchot? Ça veut dire quoi Manchot? C'est quoi Manchot? Parce que nous, on ne comprend pas le mot Manchot. Est-ce que tu parles d'un esprit ou est-ce que tu parles d'un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas? Un animal? C'est quoi comme animal? Ça fait plusieurs fois qu'il dit chou. C'est quoi un chou? Qu'est-ce que tu appelles un chou? Un chien, un chat, un cheval? Manchot, c'est son nom? Manchot, c'est son nom à l'animal? Non? C'est quoi Manchot alors?
tête de cheval. Ça ressemble, hein. Mon che, pour toi, ça veut dire quoi? C'est un cheval? Il a dit passe. Non, mais. Maman, ça ne veut rien dire ce que tu dis en fait. Hein, là. Parce que tu me parles d'un animal qui aurait ouvert, oui, pourquoi pas. Mais. C'est qui Hugues pour toi? Hugues, c'est Hugues. J'ai pensé à Hugues des Hasards. Celui qui a construit le château. Le grand, supérieur. Le... Ah ouais? Ouais, et il était. Ça s'appelait Hugues? Ouais, il était duc de Lorraine, duc de Toul. C'est lui qui a créé le château là, le tout premier. C'est lui qui a créé le château ? Oui. Ah, le premier à avoir. Ça s'écrit U-H-U-G-E. C'est pas. Il aurait pu sortir n'importe quel prénom. C'est ça qui est ouf quand même, non ? Bah oui, parce que. Ça paraît quand même. Bah, déjà. J'aurais bien voulu. Ouais, mais de toute façon, dans l'idée, je vais dire une chose. Dans l'idée, même si tenté. Parce que moi je sais pas qui s'appelait Hugues. Ouais, si tenté que c'est pas lui. C'est quand même un esprit qui parle de Hugues. De Hugues, ouais. Donc ça, moi, je peux pas l'inventer, je connais pas Hugues. Ouais. Je ne savais même pas qui c'est qui a inventé le château. Bon, écoute, ok. Ouais. Alors, dis-moi. Est-ce que tu es celui qui a créé, qui a construit ce château, ouais, et qui s'appellerait Hugues, ou est-ce que tu parles de Hugues et que tu es quelqu'un d'autre? Tu es qui ici par rapport au château? Hugues? Et Hugues, il faisait quoi ici dans le château? Il avait quel rang? Grand quoi? Hugues était grand quoi? Grand par la taille ou grand par son rang? Il faut préciser. C'est ouf quand même. Hugues, donc Hugues ici, c'était le grand-duc, c'est ça? D'accord. Tu es décédé en quelle année? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu es décédé, Hugues? Oui. 1354? Possible. Faut regarder les infos. Il y a une plaque devant. Ça peut être marqué. Oui. On va te laisser le bénéfice du doute, hein, parce qu'on n'a pas vérifié l'information. En tous les cas, Hugues, si tu es le grand-duc et le créateur de ce château. C'est moi qui ai bougé la table ou. Ah non. D'accord, ça a bougé. Oui, la table a bougé. Il y a eu des coups de données, t'as vu? Oui. Donc, Hugues, si tu es le grand-duc. Si tu es le grand-duc de ce château, Hugues, si tu es le grand-duc de ce château, écoute, on va déjà te présenter nos respects parce que on fait connaissance avec la personne qui a créé cette grosse bâtisse, ce gros château. On est chez toi.
Et tu nous as donné une date, donc on va vérifier, 1354, mais apparemment, si ça a été créé en... Le château a été créé en l'an 1300, c'est tout à fait probable. Oui, c'est possible. Est-ce que tu sais que tu es mort? Oui, je suppose. Est-ce que tu restes dans ces murs parce que tu ne veux pas quitter cet endroit que tu as créé, que tu as connu? Ou est-ce que tu pars d'ici et que de temps à autre, tu rejoins ton au-delà et que tu évolues dans d'autres endroits? Est-ce que ta condition est bonne? Est-ce que tu es heureux en tant qu'esprit? Ouais, continue. Ça dit quoi, j'ai... Rouge. Rouge. Continue, Hugues. Rouge, ça veut dire quoi pour toi? Tu veux parler? Pourquoi tu as dit la couleur rouge? C'est quoi le rapport? Oui. Oui. Rouge sang. Oui, rouge sang. Et quand tu dis rouge sang, tu veux t'exprimer par rapport à quoi? Pourquoi tu nous dis rouge sang, Hugues? Oui. 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 Rouge sans cimetière, c'est ça? D'accord. Rouge sans cimetière, ok. Les mots sont cohérents. Pourquoi tu nous parles du cimetière en nous exprimant la couleur rouge sang? Tu veux nous dire quoi exactement? Oui. 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 Continue. Fausse. Ça existait, ça, le mot fausse à l'époque, non? Oui, oui, mais... Pourquoi? Tu nous as dit cimetière, rouge sang, fausse. Il faut que tu nous dises pourquoi tu nous dis tout ça. Quel est le message que l'on doit comprendre, Hugues? Oui. 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 Tu veux qu'on aille là-bas? On va trouver quoi là-bas, Hugues? Pourquoi tu veux qu'on aille là-haut? C'est pas qu'on est contre pour pouvoir y aller, mais il faut que tu nous dises pourquoi tu veux qu'on aille dans le cimetière. Tu nous as dit rouge sang, fausse. Tu nous dis aller là-bas. Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message? Oui. 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 Tu vois ce qu'il veut dire? Oui. Tu vois quoi? Je sais ce qu'il veut dire. Oui. Ta sépulture?
Il y a une sépulture là-haut. Dans le cimetière. Cimetière de Blénaud, tu parles? Oui, mais dans l'ancien cimetière. L'ancien cimetière? Il est où? C'est chaud parce que ça peut coller. Mmh. Tu nous parles de fosse. Monsieur Richard, il m'en avait parlé qu'il y a le nouveau cimetière qui est à l'entrée de Blénaud. Quand tu es venu, tu as vu un cimetière. Peut-être, je ne sais pas. Parce que il nous parle de l'ancien cimetière. Ben, l'ancien, il est où? Ça me met des frissons. Mmh. Il y a un ancien dans la forêt, un peu dans les hauteurs là-bas. Ah oui? Ouais, il est perdu en pleine forêt. C'est des vieilles tombes des années 1600-1700. Même. Mais non, parce que s'il dit qu'il y a sa, ouais. qu'il y a sa sépulture. Mmh. C'est chaud ça quand même. Mmh. Je venais de le savoir aujourd'hui ce matin, mais m'avait parlé d'un vieux cimetière. Et ta sépulture serait là-haut, Hugues? Est-ce qu'on peut la trouver, cette sépulture? D'accord. On la reconnaîtrait à quoi? En pierre? Est-ce qu'il y aurait ton nom de marqué dessus? Grand-duc de Lorraine, Hugues. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ton nom d'indiqué sur la sépulture, Hugues? Oh, je viens de sentir un. Ouais. C'est possible? T'as senti quoi? Un. Bien sûr. Hugues. C'est possible. Ça m'a jamais fait ça. Hugues. Ça va? Ouais, ça va. Vas-y. Hugues. Et si, là, à cette heure-ci, ça va être compliqué d'y aller. Mais on peut toujours y aller un jour où il y a en pleine journée pour essayer de trouver la sépulture. Pourquoi tu as dirigé vers le mot, vers la fin? Tu veux plus discuter avec nous? Notre communication était pourtant bonne. Tu nous as donné quand même des informations. C'est si c'est le grand-duc qui a construit ce château et qui s'appelle Hugues. Tu t'appelles Hugues comment? Le nom de famille, s'il te plaît, grand-duc. Ça correspond. C'est des hasards, mais c'est hasard, ouais. C'est ça? Le nom de famille, c'est du duc. C'est Hugues Hasard? Des hasards? Hugues des hasards. Oui, mais nous, ça donne le nom de famille de Hasard. Ok. Bah écoute, tu m'as l'air tout à fait crédible dans ce que tu dis. Ok, on te croit. C'est ouf, là, ça colle. On te donne le bénéfice du doute, parce que moi, j'ai pas vérifié les informations, mais ce que tu dis m'a l'air pas mal cohérent, hein. Donc, pour moi, tu tiens la route. Pour moi, tu m'as l'air d'être effectivement l'entité qui se manifeste, qui serait celle-là. C'est surprenant. Oui. Oui. Je vais encore aller. Oui. Oui. Vas-y, Hugues. Oui. 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 Non, je suis pas prêt. On est là-bas.
Là-bas, c'est plus sûr, hein, je sais pas. Hmm. Ça. Aller là-bas, c'est culture, c'est ça? Tu veux qu'on fasse quoi là-bas quand on va trouver la sépulture? Tu veux qu'on fasse quoi exactement? Les gens la trouvent? S'ils vont là-haut, ils trouvent des vieilles tombes? Oui, il y a des vieilles tombes. D'accord. Si on va là-bas et qu'on trouve ta sépulture, tu veux qu'on fasse quoi exactement, Hugues? Ça veut dire qu'il ne veut pas répondre, qu'il ne veut pas parler. Ouais. Hugues, si tu nous demandes d'aller là-bas pour vérifier ta sépulture et pour pouvoir y aller, tu nous as donné des informations. Nous, ce n'est pas le problème d'y aller, c'est qu'on veut savoir si on va là-bas, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que tu attends de nous pour, devant ta sépulture, qu'est-ce que tu attends de nous ce soir? J'ai le mot. Sourire, non? Sourire. Non. Sourire. Sourire. Ça fait sourire. Mais bon, ça ne nous dit pas ce que tu viens de dire là. Tu nous as donné des informations, mais là, je t'ai demandé si on va sur la sépulture, ta sépulture, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi le message? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse éventuellement pour toi? Ou qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Bénir. Tu veux qu'on te bénisse? Ouais. On n'est plus Hugues. On n'a pas besoin d'être devant une sépulture aujourd'hui pour te bénir. Est-ce que la question que je me pose, c'est pourquoi tu veux qu'on te bénisse ta sépulture? Est-ce que tu as besoin d'aide pour quitter cet endroit? Est-ce que tu veux quitter cet endroit, Hugues? Est-ce que tu veux quitter cet endroit, Hugues? Je m'adresse au grand-duc de Lorraine. Est-ce que tu veux quitter cet endroit que tu as créé, ce château?
Ça fait une grosse phrase. J'ai rien suivi. Dernier mot. Il a dit, oui, il a dit Hugues et Hugues est dans Horizon. C'est ça, hein, Hugues. Hugues est dans Horizon. Qu'est-ce que tu entends par là? Hugues est dans Horizon. Il faut que ton message soit plus clair, mon ami. Qu'est-ce que tu veux dire par Hugues est dans Horizon? Oui. 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 D'accord. D'accord. Ça dit partout. Donc, Hugues est partout. Le grand-duc de Lorraine, qui a vécu ici, est partout. C'est ça? Tu es partout? Ah, c'est normal, tu es un esprit. Hein. Un esprit se déplace par la pensée. Si Hugues, grand-duc de Lorraine, décide d'être ici à l'instant et que dans l'instant d'après, il décide d'être à milliards d'années-lumière dans un autre monde, il peut, Hugues. Oui. 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 Travap. Ça veut rien dire pour moi. Oui, tu m'as dit que tu pouvais être partout. Je t'ai dit qu'un esprit, il est libre. Un esprit libre, il peut être là où il veut par la pensée. Bon, Hugues, mon ami. Nous, malheureusement, on a un temps à respecter au niveau de la matière, au niveau de notre fatigue aussi, pour pas qu'on soit, qu'on puisse, on va dire, travestir les communications et nous empêcher d'avoir des bonnes communications avec toi. Et pour ça, il faut qu'on soit pas fatigué. La fatigue commence à se faire sentir. On est bien conscient d'avoir discuté avec toi. On va vérifier l'année de ton décès, tu as dit 1354. Moi, je ne connaissais pas cet endroit. Donc, Dylan nous confirme qu'il s'appelle bien Hugues Déhazard. Tu nous as bien dit, quand je t'ai demandé le nom de famille, c'est pas Déhazard, tu nous as dit Hazard. Donc, ouais. C'est bien ça. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, qui est quand même une époque plus ou moins médiévale, quand on disait pas son nom de famille, c'est Déhazard. On disait Hugues Déhazard. Ouais. Et pourquoi on dit Hugues Déhazard? Parce que c'était un grand-duc. Donc, on disait Monsieur II ou Madame II. Ouais. Donc voilà, tu nous as donné quand même pas mal d'informations. Hein. C'est intéressant. Bon, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est tu nous as dit que c'est un animal qui ouvrait la porte, apparemment. Ouais, bon, tu nous as répété plusieurs fois le mot cheu. Ouais. Cheu. Il faut voir ce que ça veut dire. Imagine, ça veut dire cheval. Là, le coup, il était ouf quand même. Là. Ah ouais, on a bien entendu le coup là. Mais il a dit cheu ou chaud? Chaud ou cheu? Chaud ou cheu, ouais. Mais ça peut-être... Alors, le problème qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on comprenne véritablement, c'est que quand il s'exprime, je pense qu'il s'exprime encore avec un vocabulaire de l'époque. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Et je pense qu'il parle avec un certain vocabulaire, quoi. Sépulture, on dit. Oui, voilà. Bien sûr qu'on parle de sépulture. Et du coup, je pense que s'ils sont restés, on va dire, imprégnés d'une certaine conscience de l'époque, ils nous parlent, c'est difficile de faire des phrases, parce qu'en 1300... Je pense qu'en 1350, en plus sur ce support, on te dit, rouge, sang, cimetière, tu vois, on te dit, en gros, je t'envoie les mots, les meurtres, pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais bon, après, c'est lui qui a été le plus, pour l'instant, le plus cohérent. Le plus cohérent. Hein. Bon, après, Victor, en haut, c'était pas mal, mais c'était pas aussi, évident que lui. Et il y avait Alex aussi au début. Ouais, mais Alex, il avait du mal. Alex, j'avais beaucoup de doutes sur sa véritable personnalité. Il ne nous a pas permis d'avoir des informations qui véritablement prouvaient que sa nature était... Voilà. Et
C'est quoi? Pourquoi ta caméra elle sonne comme ça? Bah c'est pas ma caméra, tu vois, elle est éteinte. C'est quoi qui sonne? Bah je sais pas, je sais toujours pas. Le micro c'est pas possible. Ah. C'est quand même un truc de fou ça. Je sais pas. Ta caméra est éteinte, la lumière est éteinte, il reste juste le micro, mais le micro ne fait pas de bruit. Il reste plus que le micro, mais comment ça peut sonner alors qu'il n'y a rien qui est allumé, quoi. À part le micro, mais le micro, tu vois. Et le micro ne fait pas de bruit? Non. D'accord. Bon, après, juste avant, on a entendu le bruit qui était là. Ouais. C'était net. Hein. Et voilà. Donc, écoute, Hugues, on va mettre fin à cette conversation. Voilà, il faut aussi se mettre dans le contexte que. T'as vu les bruits qu'on a eu dans la table? Voici les coups. Oui, ça. Ah ouais? Non, derrière. Ah, mais elle bouge pas. Ça bouge pas. Ah non, on a eu des coups. On a eu des coups, il a manifesté sa présence, on est sur des coups. Parce qu'en plus, t'as l'impression que les coups partaient d'ici. Ouais. Ça résonnait, en fait. C'est ça, ça résonnait. C'est vrai. Donc, après, c'est comme je t'ai dit, il faut véritablement se retrouver avec le vocabulaire du côté médiéval. Ouais. Donc, le truc, c'est que il t'envoie des informations, mais après, c'est un peu derrière le top pour comprendre la phrase, essayer de comprendre. Après, on ne peut pas l'en vouloir. Hein. Oui, c'est pas ça. Mais il nous a quand même dit beaucoup de choses, quand même, lui. Hein. Il nous a parlé avec des vocabulaires de l'époque, quoi. C'est culture. On dit une sépulture, on dit une tombe. Hein. Il nous a dit qu'elle était en pierre, donc il a voulu nous donner des informations. Il nous a demandé de bénir sa sépulture. C'est ça, c'est en référence avec son statut de grand-duc. Hein, bénissez-moi, en gros. Ouais. Il nous a donné quand même d'informations sur le fait qu'il s'appelait bien Hugues, nom de famille Hazard, qu'il était mort en 1354. Il nous a dit lui-même que c'était le grand-duc. Parce qu'au début, il nous a dit grand, mais je ne savais pas de quoi. Donc, franchement, merci. Hein, merci, grand-duc. Et, merci à vous. Ouais. Merci beaucoup, hein, très respectueux de votre présence hein, et de cette bâtisse qui est quand même très, très impressionnante. C'était une des meilleures communications. Ah ouais, mais moi, c'était pas mal. Moi, ce que... Après, on est dans le jus. Hein, c'est-à-dire que le problème, comme je t'ai dit, si c'est un esprit qui est mort en 1354 et admettons qu'il ne s'est pas réincarné, il va t'envoyer des mots. Mais après, c'est, excuse-moi de démerder avec ça. Ouais, c'est alors qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec un guide, je t'ai dit c'est de l'ombre. Tu as une discussion comme avec moi, par exemple. Ouais, j'avoue. Mais bon, c'est bien. Parce qu'on a quand même, on communique avec certains d'entre eux, on a eu 3 déjà quand même. Et Victor, quand même, c'était intéressant au niveau du tribunal parce qu'il nous a quand même. Je veux dire, tu vois tout de suite que tu es face à des identités et des esprits différents. Parce que là, en gros, il nous parlait qu'il venait voir, lui, il était libre, machin, il avait déjà été dans son gars et tout. Il avait rencontré ses guides, mais il vient ici voir sa femme, qui aime apparemment la demeure, les murs, et qui reste ici. Donc apparemment, elle est vraiment ici, ancrée. Ça, c'est ouf. Et lui, il vient la revoir de temps en temps, parce qu'elle est là, quoi. Et là, on parle avec Hugues, qui est complètement différent. C'est le grand-duc qui nous donne des informations sur des choses, sur la date, sur son nom de famille, sur son prénom, sur le fait qu'il soit grand-duc, que sa sépulture... Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un cimetière dans les bois, comme tu dis, ou un vieux cimetière qui était dans les bois avec des tombes. Lui, il nous le dit. Voilà, il nous le dit. Il nous parle de rouge sang, cimetière. Ouais. Il me dit cimetière après, il me dit. Sans fosse. Fosse. Parce qu'il parle d'une fosse à l'époque, on devait mettre dans les fosses. Hein. C'est vrai, c'est dans les fosses communes, quoi. Et lui, alors c'était ça, il disait qu'il y avait des fosses, mais lui, il avait une sépulture parce que lui, il était grand-duc. Donc il avait une tombe, lui, en pierre. Voilà. Donc franchement, pas mal d'informations, vraiment très intéressant. Apparemment, l'ouverture, comme on a entendu tout à l'heure, c'était un animal. Donc c'est possible, hein, les esprits d'animaux existent tout à fait. Mais on n'a pas su ce que c'était comme animal. Un cheu. Alors un cheu, en époque médiévale, il faudra regarder ce que ça veut dire un cheu. Parce que un cheu, c'est époque médiévale. Ça ressemble un peu à cheval, je trouve. Ouais. Après, rien de... Alors, il faut se dire qu'à l'époque quand même médiévale, ça se trouve, l'endroit-là, les chevaux rentraient ici. Oui, parce que c'était une, ah oui, non, mais une c'était... entrée de chevaux. Ah non, mais c'est complètement... Voilà, c'est tout à fait possible, hein. C'est pas du tout... ah ouais, aucune connexion internet ici. Non, mais c'est normal, c'est bien. Ok, je vais prendre mon portable. On va couper pour la cuisine qui était quand même super intéressante avec cet esprit du Grand-Duc. Voilà. Donc on est le dimanche 3 juillet. Ouais, voilà. Il est 2h31 du matin. Et là, on se retrouve dans les loges, donc une partie annexe du château. C'est ça. Et là, on va aller faire un tour dedans. Les anciennes habitations. Les anciennes habitations, ouais. Les habitants de...
Il y a une odeur, c'est... je sais pas ce que c'est cette odeur. Ouais. Non, une odeur de cheval ou de bourricot, ouais, là. De... Bon, avec un peu d'écrin. De... Du. De masque. Avec ce qu'on fait la terre, là, le ouais, ouais, engrais c'est ça. Naturel. Mmh. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est pas un caillou ? Ça vient d'en haut, je crois. Non, je crois pas, je pense que c'est plus la pièce en dessous. Ouais. Ok. On a entendu un bruit. Est-ce que vous pouvez réitérer le bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez recommencer ? Putain, j'ai des frissons partout. Est-ce que vous... Wesh, on me prend sous le visage. Est-ce que vous pouvez réitérer le bruit que vous venez de faire, qu'on a entendu ? S'il vous plaît. Ouais, mais il n'y a pas d'infiltration ? Non, il y a eu deux flaques d'eau. Ouais. Et tu vois qu'il n'y a pas de truc. C'est la chaise ? C'est vrai, c'est marrant, tu vois. Et puis l'autre flaque d'eau que je te montrerai tout au bout où il y a le lit là. Il fonctionne pas le radiateur ? Non. Ok. Pourquoi ? Ouais. Oui, parce que ça aurait pu être ça qui a claqué. Qui a claqué ? Ouais, tout à fait. Non, non, ouais, c'est pas grave, tiens, on continue. Tiens, viens. Ouais. Mais tu vois, celui-là, je sais pas comment. Et t'as vu celui-là comment il a pu tomber ? Celui-là il est quand même étrange celui-là. Ouais. On va continuer là ? Ouais. J'ai entendu. Ouais, comme si ça venait d'en haut. Après on marche, là il y a beaucoup de bois aussi. Hein. Non mais le haut pour moi il venait du fond. Hein. Ah ouais ? Ouais. Là c'est quoi là ? C'est la partie où il y a la. La loge ? Ouais, la loge forêt, de la femme. Non, là, c'est pas possible. Vas-y voir. C'était où ? Vers là. Il y a quelqu'un qui a acheté un caillou là. Après, ça venait du fond, tu vois, c'est toujours au même endroit là. Où ? Ça venait vers là, donc c'est toujours peut-être les trucs là. Tu crois que c'est ça qui fait ça ? Ça me paraît quand même bizarre. Hein. C'est ça le truc, c'est au même moment. Ça me paraît quand même bizarre quoi. Au même moment où on parle et qu'on est en train de monter, il y a des cailloux qui sont jetés quoi, à l'intérieur. Est-ce que tu crois qu'ils se détachent facilement, là ? Ça se détache ? Ça s'effrite, mais des gros cailloux... Ah, il était plus gros, hein, le bruit. Il était pas, celui-là. Je sais pas, faut voir... Ok. Est-ce que vous avez que des... Tu vois, moi j'avais fait le test avec le mec justement. Ouais. Je fais comme ça. Ouais. Tu vois, mais après, oui. Oui, mais vous passez la main dessus. Passez la main dessus. Non, mais est-ce qu'avec le temps. Ouais, c'est quand même bizarre quand même. Tout à l'heure, on est quand même venu tout à l'heure, on n'a pas entendu de cailloux tomber. Alors que là, à cette heure-ci, on y vient, ça fait quand même le deuxième qu'on entend. Ça me paraît bizarre. Ça fait quand même le deuxième. C'est au moment où on vient quand même. Ouais, et puis ça fait, quand même, ça fait quand même le deuxième qu'on entend bien. Mm. Parce que le quand on est. Moins fort, mais celui-là, il avait l'air court, tu vois. Bah, pour qu'on se retourne, oui. Ça venait de là, tu vois. Tu crois que ça venait d'en bas ? Après, ça donne sur la rue, ça, après. Hein. Il y en a par contre, je sais pas ce que c'est. De quoi ? Chewing-gum, je crois. Chewing-gum ? Ouais. Après. T's... Neuf. Oui. C'est bizarre ça. C'est pas ça ? Non. Non. Après, ça donne sur la rue ? Ouais. Donc il n'y a rien de spécial là ? Non, ça mène sur la rue. Après, c'est bizarre parce que quand on est venu tout à l'heure, à vers 20. Il y a plein de cailloux. Hein. Ouais, mais quand on est venu vers 20h30, il n'y avait pas de bruit de cailloux. Oui. Et là, on arrive, il y en a deux et quand même qu'on entend vachement bien quoi. Et les gens de l'association, ils m'ont dit aussi. Ouais. Les bruits de cailloux, c'était que la nuit. Et eux aussi, la journée, ils n'entendent pas. Tu vois ? Ouais, c'est ça. On va aller la voir dans les loges. Mmh. On va aller dans la chambre. Et puis après, on va voir là-haut ce que ça se passe. On va se mettre là-bas, puis on va attendre. Ouais, on va attendre. Ouais. On a partout. On va attendre un petit peu que. De voir. Et il y a quoi là-haut ? Il n'y a rien du tout, c'est la grosse armoire là, tu te rappelles ? Ah oui, tu me dis. Ouais, bref, on va aller là.
Allez. Et là un peu. Ça, ça me fait mal à l'aise. Ici ? Non, le terme de le bruit de machin là. De caillou ? Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est que il n'y en avait pas tout à l'heure, et puis là, il y a eu des bruits. C'est pas cassé ça. Hein. Je vais me permettre de m'asseoir sur votre lit, si vous le permettez, si ça vous dérange pas. Hein. Waouh. C'est confortable. J'ai dormi ici. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais... T'as dormi ici? Ouais. T'as aimé? En vrai, ouais, ça a été. Mais j'ai vraiment bien dormi. C'est vrai? Je me suis réveillé une fois vers 4h du mat. Ouais. J'ai entendu un espèce de petit bruit. C'est moi, mais là, il y avait un bruit à droite. Ouais. J'avais juste entendu un espèce de petit bruit, justement, vers là. Juste un coup. Oui. Puis après, je me suis endormi, je me suis réveillé, il était 10h30. Ah oui? Ouais. Ah oui, t'as dormi de façon apaisée. Ouais. On essaye de faire un peu le silence pour essayer de voir si on entend des choses. On casse les couilles. Pas de caillou. T'as entendu, non? Non, non. Ah, tu fais le silence, on va écouter. Encore quelqu'un dans cette chambre? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est resté ici en tant qu'esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réside encore dans cette pièce? Si oui, vous pouvez vous manifester. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On veut juste savoir si vous êtes là. Manifestez votre présence. Faites-vous connaître. Il y a un visage qui est capté au niveau de tout mon genou. Un visage? Oui, en fait ça fait un carré sur ma caméra. Mm-hmm. Comme s'il y avait quelqu'un là. À quel endroit? Au genou là. Oui. Beaucoup de croix de Jésus. Mm. Il y a même un... C'est quoi, c'est un chapelet? Ouais, c'est un chapelet. Ça, c'est de 1300 aussi, de base? Les loges? Mmh. Ouais. Ou plus? Ils ont fait après ou... C'est pas... Non, c'était pareil, pareil que chez toi. Par contre, la cheminée, elle doit être d'époque. Hein. Ouais, c'est de là, ouais. Oui, ça, c'est, à mon avis, c'est d'époque. Hein. Parce que surtout, dans l'époque médiévale... Les cheminées étaient plutôt des grandes cheminées à lâtre et encore plus grandes que ça, certaines fois. Là, c'est parce que c'est dans une pièce. Hein. C'est vrai qu'il y avait des cheminées partout. Hein. Ouais, bah, c'était des grosses cheminées. Hein. Ils mettaient grosses cheminées à lâtre, ils mettaient des grosses bûches avec. Puis voilà, ils faisaient le feu comme ça. J'ai un vent frais derrière moi, là. J'ai eu un vent frais derrière moi. Bah non, mais le problème, c'est ça, c'est que quand tu as un vent frais, tu sais, limite glacial. Et que tu n'as pas de prise d'air parce que tu n'as rien d'ouvert, tu n'as pas de ventilation. Vous pouvez vous manifester si vous voulez. Hein. Ne cassez rien, hein, parce que ce n'est pas à nous. On peut vous entendre si vous voulez parler. Faire du bruit. Vous pouvez, hein. On vous dira rien, hein. Vous avez l'autorisation. On n'est pas venu vous importuner, on vous respecte. On respecte votre esprit, votre histoire. On veut juste savoir si vous êtes bien présent.
Et si vous pouviez nous le faire savoir, en bougeant une chaise, en bougeant un drap, en faisant du bruit. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez me toucher physiquement si vous voulez, je vous dirai rien du tout. Je suis médium, et en tant que médium, je suis un intermédiaire entre les esprits et les hommes. Moi, c'est Stéphane, et là, c'est Dylan. Bonsoir. On est des bonnes personnes. On veut juste prouver la réalité des esprits. Ouais. On veut juste prouver la réalité des esprits au sein de notre monde, à côté de nous, de votre influence sur la matière et de l'influence sur nos vies, sur nos pensées. Le but, c'est pas de vous importuner. Là, ce que l'on a dans les mains sont des téléphones, des caméras. Il n'y a rien de dangereux pour vous. Il n'y a absolument rien à craindre. Du frêle. Vous pouvez vous approcher de moi, hein. Je suis pas méchant, je suis quelqu'un de gentil. On cherche juste à prouver l'existence des esprits sur notre monde, en nous et autour de nous. Créer une manifestation, c'est prouver votre existence et votre action sur la matière. Donc n'hésitez pas. L'opportunité vous est donnée de vous faire connaître. Attends, je me lève. Comment ? C'était lui. C'était lui ? Oui. D'accord. Hugues des Hasards, propriétaire du château. Ah oui, c'est marqué Hugues des Hasards au-dessus. Exact. Monsieur qu'on a eu tout à l'heure, l'esprit qu'on a eu tout à l'heure en communication. Et tu vois, Hugues, ça s'écrit comme ça et il a mis UGE. Oui, oui c'est vrai. Seigneur de Blénaud. Il était évêque de Toul. C'était un prêtre. C'est pour ça tout à l'heure qu'il nous a dit aussi. Qui c'est qui nous a parlé? C'est le Victor qui nous a parlé de pape. Oui. Ça peut aussi, oui. Tu sais, dans le Méli-Mélo, tout ça, il peut y avoir des vérités qui sortent. Hein. Seulement, c'est pas toujours évident de. Quand t'as pas des phrases complètes, c'est pas évident de rallier. Ouais, je suis en train de regarder. Hugues des Hasards dit le bon père. Est-ce qu'il était véritablement bon? Est-ce qu'il était. C'était quelqu'un que. De correct. Ouais. Sa réputation, c'était quoi? Elle était comment, sa réputation? Oui, oh, t'as carrément le... Ouais, mais là, on rigole plus. C'était quoi? C'était... Vêtements 1454, effectivement. Hein. Il est né en 1454, il est mort en... Putain. Ouais, c'est des vêtements de... On dirait des vêtements d'époque. Hein. Ouais. Ah, l'issue et tout. Un chapeau, tu vois. Ah ouais, 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 ça a vraiment des trucs d'époque. Hein. Ouais, faut ouvrir. Ah oui, t'as les costumes d'époque. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Mmh. C'est un truc de fou, hein. T'as même de la vaisselle. Un truc de fou, ouais. C'est dingue. T'as même des dentelles au-dessus. Bon, bah écoute, on va pas tarder plus longtemps, ça sert à rien. Ouais. On va repartir tranquillou. On va prendre. Je vais continuer de filmer jusqu'à la porte. Hein. Après, je filmerai juste le devant des loges. Ouais. Et puis tu regardes la photo que j'ai. Ouais.
Avec la croix blanche au-dessus, regarde. C'est vrai que ça va bien. Bon, on y va. Ça, c'est pareil, hein. Ça doit dater. Hein. Ce truc-là. Ça doit dater. T'as même peur de rester enfermé. Hein ? T'as même peur de rester enfermé à cause que... Ouais. Sacrés outils hein, quand même. Ouais. C'est pour les champs. C'est quoi ? C'est pour les champs. Ouais, vous allez dans les champs. Champs à l'époque. Ouais, ouais. Il y a tout qui est indiqué, tu vois, d'où ça venait, la forme qu'on est pour forger les bagues. Tout est indiqué. Peut-être l'alimentation là, non ? Même au niveau de la porte, je t'attends. Vas-y, vas-y. Ah, ça venait d'ici, hein. Mmh. On est bien d'accord. Mais... C'était net, hein, le bruit. Ça va rester deux secondes. Un gros. Ouais, j'ai entendu le coup, mais... Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là ? Est-ce que vous pouvez reproduire le bruit que vous avez fait, s'il vous plaît ? Qu'on vous entende de nouveau ? Un bruit fort ? N'hésitez pas. Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit, s'il vous plaît. C'est bien marqué, de toute façon, c'est quand on repart, qu'on fait un truc, on fait plus attention en fait. Ouais. Quand tu fais plus attention, quand tu les sollicites, ils font pas. Et quand tu repars, ils font du bruit. Bon, bah si c'est tout, on va y aller. Vous voulez pas vous faire connaître avant ? Ouais, un vieux petit truc, ouais. Mais c'est génial. Ouais. Parce que ça, c'est l'époque. Ah, ça, oui. Ça date. Je pourrais pas dire si c'est de l'an 1300, mais... Non, c'est quoi, c'est une paire d'années, quand même. Bah, je trouve... Il y a du poids, mais ça fait ouais, peur, mais... Hein, non, le bruit... C'était un bruit sourd, encore. Ouais. Un bruit suffisamment lourd, quoi, là. Pour qu'on entende tous les deux, je veux dire. Je crois qu'il y a pas mal de, il va y avoir pas mal de choses d'analyse à faire sur les vidéos, sur les choses. À mon avis, on va retirer des choses. Il va y avoir des informations, il va y avoir des données. Hein. Il y a beaucoup de bruit en fait. Ouais, c'est ça. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, mais c'est pas des, comme je t'ai dit, c'est pas des bruits liés à la matière. Mmh. C'est pas des bruits du bois qui se travaille. C'est des bruits intelligents.
T'as presque l'impression, quand t'es, par exemple, quand on était dans le tribunal, que derrière, elle a fait un bruit pour nous dire « je suis là, quoi. Je vous observe, quoi. En gros, je suis là, je vous observe, on est là, quoi. » Tu vois ce que je veux dire ? Parce que souvent, il faut accompagner le bruit à ton ressenti, à ta perception du moment. Et si elle te procure rien, je veux dire, tu dis « bon, ben voilà ». Mais si tu te retournes en disant presque, tu sais où la localiser, presque, parce que pour moi, elle venait de derrière nous, à gauche, enfin à gauche, et là, tu te dis, c'est pas un bruit qui a été créé par le bois ou par je sais pas quoi. C'est un bruit intelligent. C'est, je fais un petit bruit, mais vous allez l'entendre et vous allez vous dire, c'était quoi ça? Et ça, c'est des bruits, ce qu'on appelle des bruits intelligents. C'est des bruits qui sont liés à des manifestations. C'est pas forcément tout le temps des gros boum, mais c'est suffisamment net pour que tu te poses ces questions. On va y aller, et puis de toute façon, s'il ne veut pas reproduire, ils ne reproduiront pas. Tu vois ce que je t'ai dit, il y a 3h du matin. Ça fait 7h. Ça sera assez pour cette nuit. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Dylan, il va rentrer, il va tomber comme une merde, il va dormir. Ah, pas, parce qu'après, il y a du boulot pour l'analyse. Ouais, c'est ça. J'ai déjà une vidéo chez moi de ma nuit, et je ne l'ai pas regardée encore. Ça m'est déjà arrivé de faire une enquête comme ça et d'analyser direct en rentrant. Non, faut pas. Mais ça, je le fais plus. Il faut pas faire ça. Parce qu'en fait, tu seras pas lucide. Ah oui. En fait, tu seras pas lucide et tu vas louper des trucs. Tu seras pas. Il faut le faire quand tu es bien reposé, que tu as du temps. Il faut faire des coupures pour arrêter, il faut reprendre. Il faut faire que quand tu es vraiment, vraiment bien, quoi, parce que sinon, tu vas louper des trucs. Et puis, tu vas pas observer de la même façon, tu entendras pas pareil. C'est pas pareil. On y va ? On aura déjà pas mal entre le château et ici. Je crois qu'il y a déjà pas mal de choses. Hein. Il y a déjà. Bah, ça ressemblait pas à un claque de compteur. Hein. Non. C'est, le bruit, c'était plus un bruit. Un peu. Mais pas aussi fort, mais un bruit dans ce. Ou. Comme ça. Hein ? Ouais, ça s'éteint. T'es en train d'éteindre Mais t'entends le bruit ? Oui. C'est pas ça ? Non, non, c'était pas ça. Ouais, c'était plus un bruit de. Plutôt comme ça. C'était un bruit de talon. Waouh. Ouais, je vois. Tu vois ? Ah ouais, je viens d'avoir. C'est comme si t'as un courant d'air froid qui m'est passé sur le bras, mais c'était net. Ça fait bizarre. Et en fait, c'est comme si. C'était pas le claquement de. Le claquement du truc. C'est un peu comme si avec le talon, tu marchais que tu faisais. Tu vois ce que je veux dire ? Le bruit était plus sourd comme ça que sur un claquement de. Non, le claquement du compteur, je le connais. Tu sais, ça fait clac. Et puis après, tu entends presque le bruit de l'électrique. Ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà, on a entendu un bruit métallique. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a entendu un bruit métallique, on est remonté. Ah, tu veux pas éclairer vers moi ? On a entendu un bruit métallique, on est remonté. Et en fait, c'est celle-là qui bouge. C'est chaud, là, quand même. Tu vois le bruit ? Ah ouais, j'ai entendu. Bah, j'ai entendu, hein. Ah, les autres, elles bougent pas, hein. Celle-là, mais t'entends-tu? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est chaud. Celle-là, c'est des bruits de pas. C'est quoi les bruits là? Je sais pas. Tu veux pas qu'on aille voir au cas où s'il y a une. Hein? Peut-être. Ah,
nous fait une blague? Ouais. Qui? Je sais pas. Ah, tu es un esprit? Non, je sais pas, peut-être quelqu'un de l'association? Non. Oui, faut se... Non, ça ne serait pas un genre de choses. Écoute-toi. Il n'y a plus rien. De bruit. Il y avait bien des boum, boum, boum. Des pas. Quelqu'un qui marche. T'aurais quelqu'un qui marche au grenier, quoi. T'aurais dit au grenier ou là-haut? Soit là-haut, soit au grenier. C'est chaud, hein? C'est chaud. T'as vu quand on sort? On entend du gling. Gling, gling, je veux dire, l'objet en ferraille qui bouge tout seul quand on revient. Et là, on entend au même moment, quand on était revenu dans la pièce... Pourquoi quand on part à chaque fois, pourquoi c'est chiant? C'est juste histoire de... Je sais pas. Et là, au moment où on repart, on entend le bruit métallique, on rentre de nouveau dans la pièce, l'objet il bouge tout seul, et on se met à écouter. Ah, c'est ça, depuis le début, qui fait le bruit. Ah, celui que t'as entendu tout à l'heure. Oui. Mais et là, on revient et on entend comme quelqu'un qui marche dans le grenier, quoi. Mm. Moi, je serais chaud quand même d'aller voir au grenier, c'est trop, on va voir un rat, un animal. C'est pas un animal qui fait le bruit là. Hein. Non, c'est vrai que ça... C'est pas un rat qui fait le bruit là, c'est quand même des bruits sourds, c'est comme si quelqu'un, ça fait penser à quelqu'un qui marche avec les talons, ça fait le bruit là. Bah oui, comment tu veux produire ça? Ou alors c'est un rat qui fait 80 kilos. Ah oui. Juste attendre que le... C'est chaud. Ce serait bien qu'ils reproduisent le bruit maintenant, tant qu'on est là. C'est vrai que c'est chaud. C'est dur de rester rationnel, de se dire c'est un rat. C'est pas un rat. Je te dis, c'est un rat qui fait 80 kilos. Parce que, vu le bruit, on l'a quand même entendu de là-haut. Hein. Ouais. Je pense pas que ça vient pas de dehors, hein, ça. Parce que vu les bruits... Puis en plus, c'était régulier. Comme quelqu'un qui marche. C'est vrai, hein? Et suffisamment lourd pour qu'on se dise. Ça fait flipper quand même. Ça, j'ai jamais eu. Ça fait flipper. Ça non, ça fait pas flipper, mais c'est. Pas le fait que ça fasse flipper, mais ça met mal à l'aise quand même. Bah, c'est parce que ça nous interpelle, quoi. Regarde voir vers toi, elle bouge toujours. Ouais, elle bouge encore un petit peu, tu vois. Comment tu veux que ça bouge, ça, quand même? Ah, puis en plus, ça bougeait bien, tu sais. Ouais. Vous allez voir, peut-être un bruit. Bah, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que c'était deux trucs qui s'entrechoquaient, quoi. Ah, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, j'aurais plus pensé à deux trucs qui se touchaient, quoi. Mmh. Bon, en tous les cas, ça a bougé, et ça bougeait chaud. Alors qu'on était en train de partir. Bon, là, c'est nous. Oui, là, c'est nous, mais ça bougeait quand on était en train de partir, et quand on était en train de regarder ça, on a bien entendu, parce qu'il faut savoir qu'au-dessus, il y a quand même un grenier. Ouais, même au niveau de là. Ça fait tout le long, en fait. Et on entendait comme quelqu'un qui marchait au-dessus, quoi. Comme ça? Bizarre, quoi. Oui, comme oui, ça. Oui. C'était pas... Oui. Une bestiole, hein. Hein? Je disais, tu peux ouvrir. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que tu vas monter là-haut et puis ça se voit, il n'y aura rien. Tu vas monter là-bas, puis il n'y aura pas de bruit. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu peux pas passer. Hein. Non, ça. Hein. Tu vas monter là-haut, puis tu n'auras rien. Ah oui, c'est ça. Puis tu vas partir, ça va refaire le bruit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute. On a déjà eu, je crois qu'on a déjà eu pas mal de choses cette nuit. Ah, on a déjà eu pas mal de choses cette nuit. Hein. Les sons de secours, là, ça fait pas de bruit. Ah non, ça cesse. Vache, ça c'était quoi ça? Ok, mais là c'est chaud là. Waouh! Ça m'a fait flipper. C'était quoi ce bruit là? Un caillou, je pense. Ah, mais là c'est comment cette. Hein, t'as vu? Ça fait beaucoup là quand même. Limite on en a eu plus là en 10 minutes que dans le château quoi. Non, mais je rigole, mais.
Ah, 40 pour, parce que là, ça, après, il faut le chercher. Ouais. T'as vu, t'as entendu, en plus je filme, hein. T'as entendu le bruit là-bas? Comme si quelqu'un qui jetait un caillou dans la pièce, quoi. Puis ça pas l'air d'être un petit en plus. Comme ça, au moins. T'as vu le bruit? C'est chaud là. On l'a bien entendu. Hein. Après, tu vois, il y en a partout par terre, mais là c'était. Ouais, enfin c'était. On dirait, des gros, là. On dirait limite qu'on t'envoyait un papier, là. Un pavé là. T'as vu le bruit que ça a fait? Ça nous a fait flipper quand même sur le coup, hein. On s'y attendait pas, hein. Regarde en plus, je regarde. La fenêtre, la porte est ouverte. Non, non, file-toi. La porte est ouverte. Regarde. La porte est ouverte. Le bordel, il bouge pas plus que tout à l'heure. Hein. Non. Donc c'est pas le vent. Hein. Et là-bas, alors, et le franchement. Bruit, tu l'as entendu. Quand je commence à fermer, tu entends le petit tic, le jour. Franchement, on entend le côté métallique, ça s'entrechoque. On vient voir, on se met devant. Là, on est en train d'observer ça. On entend au grenier au-dessus, là. On voit au-dessus, il y a un grenier avec des bruits de pas qui marchent, qui fait avec des talons, quoi. Ça fait du bruit. On va voir, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tout ça. Encore. 10 minutes, un quart d'heure, on va pour ressortir. Et là, dans la pièce là-haut, au fond à gauche, là, il y a vraiment un gros caillou qui tombe. Ça nous a fait peur, d'ailleurs. Ouais. On s'y attendait pas. Hein. On avançait. On s'y attendait pas du tout. Hein. Ce qui m'a fait flipper, c'est le chat à la fenêtre. Ah, mais non, c'est. Quelqu'un qui regardait. Non, c'est le chat. Comme par hasard, un chat. Mais ouais, franchement, le bruit a été. Hein. Comme par hasard, un chat noir. Un chat noir, en plus. Oui, non, ça, mais ça c'est pas grave. Lui, non, mais non, non, là, les bruits qu'il y a eu dans les loges. Ça venait de la pièce là. Hein. Ah, oui, c'est la même que tout à l'heure. Hein. C'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Ouais, c'était pas mal tendu quand même. J'avoue. En tout cas, cette heure-ci, on commence à être fatigué, mais là, c'est pas notre imagination. C'était vraiment. Là, on est bien crevé, mais là, oui, non. On leur a demandé de bouger, de faire, de se manifester. T'as vu, ils ont fait. Parce que franchement, entre le. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand t'as dit 20-30 kilos, mais là, c'est plus drôle. Là. Ah bah oui, non, c'était pas. Non, mais c'était pour te dire que le bruit là, tu peux pas le faire avec un animal. Ah, c'est quelqu'un qui marchait comme avec des talons, quoi. Puis c'était régulier. En plus, tu sais, comme quelqu'un qui marche, quoi. C'était pas. Tu vois, je te dis, avec le mec, il m'avait expliqué que pour lui, c'était des cailloux qui tombaient de là, quoi. Ah ouais, mais là, c'est. Pour lui, il est resté rationnel, mais voilà. Nous, plusieurs cailloux, moi, là, honnêtement, bon, là, le truc métallique, déjà, qui bouge tout seul quand on revient, et on a entendu un entrechoquement du et métal. Là, il bouge pas tellement avec le vent. Et puis, t'imagines, il y a de la pelle d'air, puis il bouge pas, là. Donc, quand on est venu, il bougeait quand même vachement bien. T'as vu que c'est flippant ici? Tu trouves pas que c'est plus flippant que. Bah c'est plus c'est je serais je me sentirais moins en sécurité ici que dans le château, ouais. Bah c'est ce qu'on a déjà dit, tu vois, ouais. On a pas une. Et franchement, en plus on entend regarde, là la porte est ouverte, il y a du vent. Mmh. Et il bouge pas pratiquement. Et tout à l'heure, on a entendu s'entrechoquer comme si ces deux trucs métalliques se rentraient dedans. Après on écoute, d'un seul coup on entend au-dessus au niveau du grenier des bruits de pas, on les entend, je pense qu'on va les entendre sur la vidéo. Et t'as enregistré jusqu'au bout? Ah ouais, j'ai tout filmé, ouais. Et après, au moment où on va pour repartir, le caillou, là, dans la pièce de gauche où on a été tout à l'heure, ouais, mais là, c'était pas. Ça me faisait pas penser à un caillou qui tombe du dessus, ça faisait comme si on lançait un caillou. Ouais. C'était pas un petit caillou, tu vois ce que je veux dire? Parce que le bruit était quand même. Il nous a fait flipper quand même. Alors que normalement. Dehors de. Je sais pas quoi. Quel bruit tu penses? J'ai encore entendu quand t'as pris. Par contre, si on voit un truc chelou. Tiens. Il y a du bruit. On entend. Ça attise leur convoitise. C'est rare que j'ai peur, mais là, ça, ici, je peux le dire. Mince, c'est pas ouf dedans. C'est pas ouf. J'aime pas trop le. C'était quoi ça? L'ambiance. Chut. Il y a eu un cri de femme. Oui.
C'est vous qui avez fait du bruit? On vous a entendu, hein? Vraiment chelou les bruits ici. Hein. Parce que la journée on les entend pas. Ils étaient pas comme ça quoi. Et puis même, tu fais pas mal de choses en quelques temps là. Ouais, oui. T'as l'impression qu'ils étaient en train de se concentrer sur le truc quoi. T'imagines on aurait fait une séance de Ouija ici tout à l'heure. Oh, en fait t'es trop bon. Hein. Tu penses? Non. Non. Parce que s'ils manifestent comme ça, s'ils se communiquent et qu'ils manifestent comme ça, ça peut dégénérer en fait. Bah si, il faut être réaliste, ouais. Hein. Ça peut dégénérer. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Hein? J'ai l'impression. Parce qu'ils peuvent envoyer des objets. Hein. Ah c'est chaud ça, tu vois. Ah bah oui, ça, mais ça. J'y crois pas, moi j'y croyais pas. Si. Je t'assure qu'ils peuvent t'envoyer des objets. Hein. Tout et n'importe quoi. Ah n'importe. Généralement, tu peux faire tomber une armoire comme ça. Hein. La soupière, ils peuvent te l'envoyer. La chaise, ils peuvent partir dans tous les sens. Hein. Ça peut voler dans tous les sens là, hein, ici. Hein. Ah non, ça rigole pas. Hein. Pour ça, je te dis, quoi. C'est des poltergeists, non? T'appelles hein? Ça des poltergeists? Non, non, c'est pas des poltergeists. Les gens appellent ça des poltergeists, mais c'est juste des manifestations d'esprit. Ils s'énervent, ou ils foutent le bordel, ou ils veulent nous faire peur et tout. Donc ils font ça. Et franchement. On s'est pas vraiment présenté ici aussi. On s'est présenté dans la chambre. Ouais. Voilà. Après, c'est pas non plus. Voilà, quoi, c'est pas trop grave. Mais. Le truc, c'est que en fait, en l'espace d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, il y a eu plein de bruit. Mmh. On est arrivé, la porte s'ouvre, on entend les trucs là métalliques s'entrechoquer. C'est ce qui nous a fait rentrer. On va là-haut, on écoute. À ce coup, on entend des bruits de pas, quelqu'un qui marche au-dessus sur le grenier, mmh. De façon régulière quand même, pas des petits bruits. Hein. C'était quand même vachement sourd, mais ça s'entendait bien. Après, on va pour repartir, on entend un jet de cailloux qui est dans la pièce à gauche, mais enfin, c'était pas... C'est pas un truc, c'était un jet quoi. Ouais, ouais. C'était suffisamment pour nous avoir fait peur quand même. Hein. Ça nous a fait peur. On s'y attendait pas quoi, surtout. Non. Ouais, c'est vrai là. Même le bruit dans la pièce au moment où tu me vois arriver. Tu m'as vu arriver. Ouais, ouais. Derrière toi. Derrière toi. Puis en plus, regarde, on a fait l'expérience, on a ouvert la porte. Il y a quand même du vent qui passe, mais les outils bougent pas quoi. Donc techniquement, ils devraient pas bouger. Ils ont bougé quoi. Puis bien. Ouais. Bon, regardez. J'ai filmé 15 minutes là avec tout ce qu'on a eu. J'ai filmé 15 minutes, c'est bien. Allez, on est pas mal, on va rentrer. Je commence à fatiguer. Hein? On aura pas fait la séance de spirit. La spirit box? Ouais. Ah oui, mais ça. De toute façon, on est arrivé à la fin. On a eu pas mal d'informations et de données, hein, Dylan. Il y a quand même pas mal de choses à analyser et à regarder, mais honnêtement, ouais, c'était quand même... ici, franchement, le comment ça s'appelle les loges, là, ici, c'est dedans, c'est chaud, hein, quand même. C'est chaud. Ah, vas-y, ferme. Ouais, de toute façon, on fera plus rien à faire. Mais là, on a déjà eu pas mal de choses. Hein. On a eu notre dose pour ce soir. Ouais.